forme. Nous sommes quelques... Je sais même plus quel jour nous sommes. Ah oui, dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle semaine. Nous allons, comme souvent le dimanche soir, la passer cette transition en notre compagnie respective. Bref, j'espère que le son est bon, que tout va bien, que nous allons pouvoir passer une bonne soirée, vraiment. Notez que j'ai normalement, grâce à l'un d'entre vous, alors je vais oublier, mais je vais quand même aller rechercher la source. Attends, je vais enlever le mode streamer, là, parce qu'à chaque fois, tac, 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 tac. Non, c'est... Qui c'est qui m'avait fait, cette petite surprise? Je ne me souviens plus. Touk, 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 je ne me souviens plus. Je n'arrive pas à le retrouver. C'est ça. C'est Coco, Kao Kao, qui m'avait envoyé un petit message la dernière fois, qui m'avait dit, écoute, ton micro sature, c'est pas cool. Il m'a envoyé des liens pour apprendre à régler les micros. Amusant quand même, puisque bon, c'est un truc que je maîtrise normalement. Mais là, oui, normalement, ça devrait aller vachement plus chouette. Voilà. Normalement. Donc, dites-moi si le son effectivement ne sature plus, même quand je hausse la voix. Dites-moi tout ça, et voilà. Normalement, le son devrait être nickel. J'ai travaillé l'autre soir. Ça m'a fait, ça m'a fait plaisir, parce que voilà. Ça, c'est de l'aide active, de la critique positive. Le son est pas bon, travail, effectivement. Alors, bonsoir à la Loulou Family. Vous reconnaissez nos membres actifs, parce qu'ils sont en vert et avec un petit logo Gamergen juste à côté. Le premier arrivé, c'était, Eric G, Matt, qui est maintenant, membre de la Loulou Family depuis un mois. Marc 2, Anthony Murphy, salut Anthony. Oh, j'ai plus d'écran. Ça c'est ennuyeux. J'ai touché quelque chose, c'est pas bien. Alors. Voilà. C'est chelou, je n'avais plus d'écran. Et non, je n'avais plus d'écran. J'ai touché un truc, je sais pas quoi. C'est une bouteille, pourtant, ça n'a rien à voir. Il y a eu un gourou qui est passé, je n'avais plus d'écran. Voilà. Donc, Anthony Murphy, qui est sur Nice en ce moment, on s'est croisé plusieurs fois. Voilà, JRMB59, Stéphane Sautier, coucou mon Stéphane, Espen Angel. Qu'y a-t-il encore Samuel Tagliamento, qui a l'air pas mauvais au ping-pong, va falloir qu'on en discute. Bref, nous avons Kirkwa, Drone Aquitaine, salut Mondran, Chris Game qui est là, je vois que Sylek de Toulouse maintenant. Qui y a-t-il encore? The One 76 qui est membre de la Loulou Family depuis quelques jours, depuis quand je crois que c'est Gerbé qui lui a offert un petit mois d'abonnement, c'est plutôt Patrick Zinel qui est là, merci à toi d'être là, Marc 2. Bref, nous sommes tous là. Le son est bon. L'image est bonne, j'ai de récupérer mon écran, celle-là ça m'est pas encore fait, un écran noir là, je ne l'avais pas vu. Salut Esprit Nomade en France. Bon, ce soir je vais être obligé d'opérer un changement de programme parce que je viens d'apprendre à mes dépens que les replays chez M6, c'est 6 jours, pas 7. Donc tout ce que j'ai préparé hier, et j'avais pas pensé à télécharger la vidéo, enfin j'avais pas envie de le faire surtout, je m'étais dit bon, c'est bon, on ira directement sur le site, c'est fair play. C'est fair play, c'est faire par replay, parce qu'en fait, le journal du 10 mars pouf, a disparu, a pu. Donc, j'ai plus le reportage, c'est ballot. Si quelqu'un l'a téléchargé, n'hésitez pas, si quelqu'un a un lien d'un truc un peu disparu, je suis preneur. Moi, en cliquant sur le lien direct que j'avais mis de côté, j'arrive sur la page d'accueil, il n'y a plus rien. Et oui, je me suis fait avoir par un système de replay, j'y ai pas pensé. Bien, ce soir, nous allons parler... Alors, du MetaQuest 3 Lite, qui semblerait être renommé le MetaQuest 3S, salut époque. Bref, on va aller parler de ça. C'est intéressant que la news soit complètement bidon sur le concept, que ce soit du fake, que ce soit vrai. C'est très intéressant comme sujet parce qu'effectivement, on va se positionner. Il y a des vraies questions à se poser sur ce produit qui arrive. Pourquoi? Pourquoi pas? Deuxième question. Est-ce qu'il sera aussi puissant que le Quest 3, mais avec... Enfin bref, il y a avec des features en moins, mais bref, on va en discuter juste après. Il y a des vraies questions
On se rappellera un petit de Pico, on se fera une petite rapide de Pico. De Pico 4S, alors est-ce que ce Cometa Quest 3S dont le nom apparaît comme ça tout d'un coup et un nom, vous savez que ça se change pas en deux jours hein, pour ceux qui disent que le Pico 4S devient tout d'un coup, le Meta Quest Lite devient un S. Il y avait, enfin, au final, il y a quand même peu de chances de toute façon que le Meta Quest 3 Lite, là, qui avait été nommé comme ça, soit appelé comme ça parce que Lite c'est très péjoratif. Pourquoi pas l'appeler le MetaQuest 0 aussi. Bon, on y reviendra. Bref, nous allons en reparler. Enfin, on parlera un petit peu de la Apple Vision Pro, effectivement, qui commence plus ou moins à pointer le bon de son nez. Mais est-ce que, après tous ces temps importants, est-ce que ça vaut le coup? Nous ferons un tour aussi, un petit rappel sur les promos en ce moment sur le Quest. Et je sais plus quel est le troisième sujet. Attends, j'ai pas. Bim. Oui, on va parler de la sangle Elite, avec batterie, celle-ci, qui en ce moment est rappelée sans être rappelée par Meta. Je vous en parle juste après. Le principe du live, vous le connaissez, c'est que c'est vous qui faites le programme et mon Stéphane Sautier qui est de retour. Vous posez vos questions ici, voilà, tranquillou. Alors ici, c'est dans le petit carré bleu qui va apparaître. Alors je vais m'y poser vos questions à Eric. Alors je vais vous expliquer pourquoi pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Tac, tac, hop, à Eric ici. Voilà, je viens d'ouvrir l'onglet questions. Donc c'est le petit truc bleu en haut, vous cliquez dessus, vous tapez votre question. Pour les questions auxquelles vous voulez que je réponde directement. Simple, efficace, je m'arrête régulièrement pendant le live, je vais regarder l'onglet questions, il y a une question, je réponds, comme ça vous êtes sûr que je ne loupe pas la question parce que dans le flux du chat en direct, c'est compliqué. C'est un peu compliqué de ne rien louper. Voilà, mon Nico Perret qui est là, salut monsieur sur Fufu, en plein taf en ce moment, en plein taf Nico. Voilà, mais ce soir j'avais pas envie d'avoir la vedette, je te laisse loin, voilà, reste là-bas, reste dans le chat. Je suis méchant. Petite dédicace à la semaine dernière pour ceux qui n'auraient pas suivi. Bien, que voulons-nous dire tranquillement? J'ai aussi, genre, j'ai pas eu le temps cette semaine depuis en tout cas mercredi, de retester la version PCVR du Pico 4, mais je vais en reparler parce que quand même, je vais commencer par ça, tiens. Je vais commencer par ça, parce que l'autre soir, je vous ai présenté la nouvelle version donc de Pico Connect, hein, donc c'est-à-dire en gros ce qui permet maintenant au Pico 4, au Pico 3, Neo 3 Link sans doute, et puis les autres qui vont bien que ça soit compliqué parfois chez Pico, hein, chaque casque ayant un peu sa vie autonome, de se connecter. Et effectivement, et c'est ce qu'avait fait... Faire remarquer Brice dans les commentaires, Brice étant Monsieur Pico France, hein, en gros. Je me dis quand même que c'est assez dingue. Et je ne veux froisser aucun fan Pico. Perso, je m'en tape sur le principe. Je veux dire, ça ne me traumatise pas. Mais quand même, pas de vous, hein, de ce dont je vais parler maintenant, ça me titille, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Vous avez un casque. Vous avez des casques. C'est alors une pseudo-concurrence à Meta. Salut David, 3384, Loulou Family. Vous avez un casque. Alors, 1, 2, 3, 4, ils en ont sorti 12 pendant que Meta en a sorti 2. Ils sont calmés depuis le Pico 4. Très bon casque, au demeurant, hein, je veux dire, globalement. Mais si on se pose 2 minutes, si on se pose 5 minutes, bon, d'accord, si on se pose 10 minutes, parce que je sais que j'ai jamais été très concis dans ce que je fais. Ce casque, il ne fonctionne que parce que Meta existe. La partie, le concept global, bon, c'est du Qualcomm, ça, à la limite, ok. Mais la partie software, clonage, au quel point que ça même BoseTank,
de chez Meta avait dit c'est un honneur de se faire copier. Il l'avait pas dit comme ça, il avait dit que c'était un hommage, mais c'est pas mal. C'est étonnant qu'ils aient pas d'ailleurs été les titillés, mais bon, se battre contre une société chinoise, c'est à mon avis compliqué. Ils ont piqué l'OS avec certes quelques différences, mais ou des oublis. Coucou QGO et les commandes ADB qui ne vont pas bien puisqu'ils les ont pas intégrées. C'est quand même fou. Ils arrivent, ils ont un clone. Ça clone un petit peu. Maintenant, ils vont plus loin. Ils font du wireless, donc de la connexion sans fil. Et si vous regardez bien le logiciel que je vous renvoie au live de mercredi, Pico Connect, ce n'est rien d'autre qu'un clone de Virtual Desktop de Monsieur Godin. Virtual Desktop qui existe maintenant depuis tellement longtemps. Sur l'Oculus Go, déjà, il tournait. Enfin bref, Virtual Desktop est une prise de contrôle à distance d'un PC. Si vous regardez Pico Connect, c'est une prise de contrôle à distance PC, mais ça fonctionne. C'est l'inspiration est énorme. En même temps, il suffisait d'acheter Virtual Desktop, mais eux, ils voulaient le leur. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je dis que c'est encore une fois une forte inspiration. Et c'est quand même dingue de se dire que des boîtes, mais en même temps c'est valable dans le monde entier, je fais pas un procès à Pico, hein. Pico copie, ouais, depuis que j'ai trouvé ma vanne, je la replace, je la recycle, hein, les gars, je la garde. Parce qu'ils ont quand même bien bossé, je veux dire, j'ai le Pico 4 face au Quest 2, techniquement parlant, faut reconnaître que moins cher et l'anti-pancake, bon, etc. C'était pas mal par rapport à un Quest 2. Avec bien sûr comme défaut, parce que le store, là aussi, il est rempli par des jeux d'abord sortis sur Meta. Pour la majorité, c'est pas les X exclus qui auraient existé ou les X exclus qui ont transpiré dans l'autre sens, mais globalement, c'est Meta. Ils ont beaucoup payé au départ pour avoir des portages et puis finalement, ça se fait un peu naturellement. Je sais pas où ça en est. Hein. Je suis pas dans le circuit et je ne fais que voir ça de l'extérieur. Mais là aussi, finalement, t'achètes un casque un petit peu mieux pour avoir la même chose en moins, en beaucoup moins. 998 applications sur ma bibliothèque Meta. Si quelqu'un a 998 applications là-dessus, je dis OK. Mais en plus, voilà, bon, l'essentiel, il y a une pas mal de jeux. Donc c'est vrai que c'est quand même parasitaire. parasitaire. Après, la concurrence a du bon. C'est vrai, ça oblige Meta à réagir. Mais est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? J'en sais rien. Ils ont essayé d'attaquer le marché chinois. Et c'est là où on va basculer après sur le Pico 3S, le Pico 3, le Pico, putain. Faut que j'arrête de faire des lapsus du genre. Le MetaQuest 3S, puis, ou le MetaQuest 3 Lite, comme vous voulez, parce que là, il était parti de là-bas, ce casque. Il devait viser le marché chinois qui est quand même dans les mains de Pico. Faut reconnaître que tu es le roi chez toi, Monsieur Pico. Mais c'est quand même fou, à ce point, que ça se clone, que ça s'imite. Pas de secret, hein. Là, il a le Pico 4S qui devrait pointer le bout de son nez, on en a parlé l'autre jour. Il pourrait, techniquement, auprès de certaines personnes, poser un problème au MetaQuest 3 Lite, parce qu'il sera certainement moins cher, avec des caractéristiques qui pourraient être peut-être supérieures à celles d'un MetaQuest 3 Lite. Il pourrait, sachant que l'exclusivité que Meta s'est offerte sur l'utilisation du processeur Qualcomm XR2 Gen 2 va maintenant tomber, hein, c'est 6 mois l'exclusivité. Donc il pourrait très bien arriver, il pourrait très bien décider de casser les prix. Il y a toujours ByteDance derrière, donc je pense que du pognon il y en a. Pour autant, ils n'ont toujours pas accès au marché américain pour l'instant. Ils existent peu en France et même aujourd'hui, s'ils sortaient un casque complètement dingue, à part quelques geeks,
dont je fais partie, je vous l'accorde, mais quel utilisateur lambda irait acheter un truc qui n'est pas leader sur le marché, qui n'est pas qui est une société chinoise que peu de gens connaissent, on n'aime pas, mais on connaît, etc. Donc c'est quand même compliqué pour eux. En tout cas, pour les geeks comme nous, ça va, si c'est un casque qui est cool, je suis preneur. Mais donc le 4S va arriver, il pourrait être surprenant. Brice nous a dit l'autre jour qu'un leak était sorti, qu'il aurait il pourrait être utilisé dehors, lui aussi. Faiblesse hein, de la machine. Je rappelle, le Quest 3 peut être joué, peut être utilisé dehors, voire en plein soleil. Le MetaQuest Pro aussi. Le MetaQuest 2 aussi, s'il est équipé de manettes avec les manettes du MetaQuest Pro. Il y a que Pico qui est complètement à la ramasse sur le sujet, mais on ne s'inquiète pas. Je pense que sur la prochaine génération, ça sera réglé. Apple Vision aussi est utilisable dehors, bien sûr. Voilà. Bon, on l'a remarqué avec les vidéos ridicules que l'on a vues. Bref, disait Pépin, c'est quand même fou. Donc, c'était une petite réflexion sur le fait que, effectivement, Pico, le concurrent, travaille essentiellement grâce à Meta. Voilà. Tout simplement. Alors après, on va revenir, parce que je vois que dans la discussion, vous en êtes à vous demander qui a fait le premier casque autonome. Pico, Meta, ta grand-mère et ta belle-sœur. HTC. Alors, le premier autonome, c'est le HTC que j'ai connu en tout cas. Parce que je n'étais pas sur le marché chinois à cette époque-là, les gars, moi. Mais sur le marché chinois et sur cette partie asiatique, HTC, le Vive Focus. Ouais. Suivi par l'Oculus Go. Puis toutes les variations de HTC Vive Focus 2, 3. Et ensuite le Quest 1, Quest 2, Quest 3. Entre-temps, juste avant, il y avait le Gear VR. Gear VR qui était logoté Samsung, mais en réalité fabriqué par Oculus. Voilà. Gear VR qui a existé en au bas mot 4 ou 5 versions différentes sans jamais changer de nom. Il y avait le Gear VR, le premier du nom, donc pour le S6. Ensuite, il y a eu celui du S7, du S8, du S9. Blanc, noir avec contrôleur, donc manette, ce qu'ils appelaient la télécommande, etc. On pouvait jouer avec une manette de Xbox, etc. Mais en gros, ça vous donne une idée, ça. Voilà. Et effectivement, Stéphane, j'ai commencé la VR avec le Gear VR, avec le Samsung Galaxy Note. C'est pareil pour moi. Hein. J'ai commencé plus précisément avec le S6 Edge, donc c'était le S Plus, je sais plus comment il s'appelait, c'était le grand écran. Au bout de 10 minutes, t'avais la machine, elle se mettait en PLS parce qu'il chauffait trop. Beaucoup trop. Sur le S6, c'était une cata. Sur le S7, ça commençait à devenir plus sympa. Enfin bref, on va avancer. Bonsoir Grégory. Bref. Toyo. Si tu dis, je vois Pico qui travaille grâce à Meta, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Et si ça te plaît pas, je le conçois et tu t'exprimes. Personnellement, si Pico arrive à exister un peu à peu près, et c'est en ne copiant que ce que fait Meta. Si tu peux me prouver le contraire, il n'y a aucun souci. Regarde l'OS, regarde ce qu'ils viennent de faire avec Virtual Desktop et une imitation. Un jour, ils nous feront du QGO, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quant au catalogue de Pico sur les jeux, ils viennent tous de chez Meta, point barre. Fin de la discussion. Après, bien sûr, je t'en prie, tu as le chat pour t'exprimer et les commentaires quand la vidéo sera terminée. Et voilà. Après, on va avoir un Pico 4S, a priori. Il devrait être annoncé autour du 21-20 avril, je crois, d'après ce que j'entends. Je me casse pas le cul pour l'instant à trop suivre ce qui va se passer. Il se pourrait que peut-être il se pose ici sur la tête de votre serviteur, peut-être un peu avant, pourquoi pas, on ne sait jamais. Wait and see. Je ne suis pas fermé, je ne suis pas anti-Pico. Si la machine est excellente, je vous le dirai et j'en profiterai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là-bas, c'est ce que Nicolas Perret vient ici. La base qui est posée, c'est Qualcomm qui fabrique le processeur. Un peu comme les cartes graphiques, c'est
pardon, c'est Nvidia qui fabrique le cœur des cartes graphiques. Après, les constructeurs vont faire des variations de ventilateurs, trois ventilateurs, plus épaisses, moins épaisses. Mais sur les notebooks, c'est tellement plus visible. C'est Nvidia qui pose les bases. Et les constructeurs construisent autour de ce que Nvidia propose. Ou AMD, hein, je veux dire. Bon, normalement, ça marche dans les deux sens. Donc, c'est ça qui est intéressant. Là, on est pareil. On a un système qui est proposé. Tu peux en faire ce que tu veux. Après, tu en fais ce que tu veux. Ce dont je parle, c'est déjà, le matos, c'est le même. On est d'accord. Là, par exemple, par rapport à un Quest 2. Mais c'est l'OS. L'OS, il a été pensé. Le tap-tap, par exemple. Ah bon. OK, c'est universel. C'est-à-dire qu'on a décidé que le tap-tap, c'est comme ça. C'est pourtant, c'est Meta. C'est pas HTC. HTC ne le fait pas, d'ailleurs, au passage. Hop. Et ah, oh, Pico le fait. Ah, le recentrage en appuyant sur le bouton HTC ne le fait pas. Ah bah Pico aussi, ouais. En même temps, c'est super pratique. Donc bref, ok, vous allez voir tout ça. Donc bref, je sais que je vais pas me faire que des copains en pensant ça. Je vous laisse les commentaires pour vous exprimer. Quoi qu'il en soit, pensez tap-tap, pensez recentrage. Allez lire ce que Bostank avait écrit avec beaucoup d'humour et vous verrez qu'il n'a pas tort sur ce qu'il avait écrit. Regardez l'OS et vous verrez que ça se ressemble quand même un peu fort. Regardez le catalogue, bref, blablabla. Cela dit, pour une fois, je ne crache pas dessus, je dis simplement que c'est quand même dingue que ça existe, surtout parce que ça copie, c'est rigolo. Pour autant, si le Pico 4S, je le répète, propose quelque chose de dingue, que ce soit même en PC VR, etc., parce que le catalogue, il amènera rien de plus. Hein. Ça pourrait être peut-être plus joli, tant mieux, si c'est le cas, mais le catalogue est toujours en deçà de ce qui existe sur Meta, et ça risque de durer, enfin, jamais, hein. Quand on voit qu'Ubisoft se plaint des ventes, ils sont à plus de 200 000. Sur Meta, je ne les vois pas le porter par exemple sur Pico en se disant bah, vu la base d'utilisateurs on va vendre quoi, bah rien, enfin rien à côté. Si sur 25 millions ou 30 millions de casques vendus, ils n'arrivent pas à vendre assez, c'est pas sur 1 million ou plus, à peine plus, que ça va faire mieux. Donc c'est compliqué, je pense que c'est compliqué pour Pico. Après, en Chine, c'est autre chose, mais là c'est pas notre marché. Bien, alors ensuite, Lionel H qui nous fait une Apple. Tout le monde copie, non. Non, non, tout le monde ne copie pas. Non, non, il y a ceux qui créent et ceux qui copient. Il faut bien être clair. Il y a ceux qui créent, ceux qui copient. Et il y a des choses qui tombent dans le domaine public. Le tap-tap, du coup, il va devenir dans le domaine public puisque vous sont deux à le faire. La saisie du texte au-dessus du clavier dans le Quest provient de l'Apple Vpré ou non? Bah écoute, moi la saisie du clavier au-dessus, sans te vexer, je l'ai eu même avant de voir un Apple Vision Pro. Mais après, je me trompe peut-être, on veut dire que je suis de mauvaise foi, mais c'est pas neuf hein, comme option. C'est pas neuf comme option. Allez. En tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous regardez dans le chat, vous verrez que Nicolas vous explique que c'est Total Immersion, société française qui en 2002 a inventé toutes les notions liées à l'AR. Cette société a été rachetée par Qualcomm, il estime en 2008. Donc c'est le grand Q, Qualcomm, qui a à peu près tous les brevets liés à l'AR ou presque. Voilà. Donc, encore une fois, c'est juste un truc de dingue de dire qu'effectivement un produit comme ça. Cela dit, on verra bien ce que nous donnera le Pico 4S quand il va arriver. Leur manette était aussi excellente, faut reconnaître d'ailleurs, c'est sur l'ancien, même si maintenant le principe de ring est complètement dépassé. Et c'est pas leur faute, hein, c'est pas chez Meta. C'est vrai que maintenant avoir un truc, mais il était vachement bien foutu ce ring, sauf pour attacher des gunstocks dessus. Et le bouton supplémentaire, bah, c'était une très bonne idée, une très très bonne idée. C'est les seuls à l'avoir fait là sur le coup. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est une remarque générale que je fais
sur Pico Copy. L'essentiel étant qu'effectivement, ça fait quand même de la concurrence, ça réveille. Mais je pense que la seule concurrence pour l'instant qui réveille Meta ou qui les intéresse, vous l'avez deviné, c'est le casque à 4000 boules. C'est... comment ça s'appelle ? Oh, zut ! Hop, Apple Vision Pro. Voilà, je suis en train de mettre à charger ma basket. Ensuite, maintenant, on va faire un petit break pour les questions, au passage. Allez, on va voir si je me fais défoncer dans les questions. Lionel, avez-vous testé la dernière version de l'OS Oculus sur Q Pro ? Avez-vous des problèmes, voire le Germergen de Discord ? Je vais le retourner, encore garanti. Merci. Alors, très honnêtement, je n'ai pas relancé le Quest Pro depuis un petit mois. Il va falloir que je fasse un effort effectivement pour le mettre à jour. Et de toute façon, j'attendais la réception, pour être honnête, de mon Quest 3 512 Go qui est arrivé donc samedi de SAV. Donc ça y est, mon histoire de SAV avec Meta est donc terminée. Elle était depuis longtemps, sauf qu'ils n'avaient pas de stock. Ils m'avaient dit que je le recevrais le 26. Finalement, je l'ai reçu samedi, vendredi, pendant que j'étais à la Fnac justement, juste le jour où je suis pas là, tu vois. Et il est arrivé, tout va bien, c'est bon. Le problème de SAV, encore une fois, là-dessus, imbattable, le SAV de Meta, c'est incroyablement bien. Certes, ils ont mis un mois à me renvoyer un casque. Ah ouais, je pourrais râler, c'est vrai. Bon, j'en ai d'autres, je vais pas faire un scandale, mais ils ont pas de stock. Ils ont pas de stock. Il y en avait pas en magasin, enfin, ou même pas des. Il y en avait pas. Donc là, maintenant, il commençait à en avoir en stock. Pour information, dans la Fnac où j'étais, donc à Nice, j'avais 3 512 jusqu'à samedi. Là, j'en ai fait vendre 2. Un Quest de 128 Go aussi qui est parti. Il y en avait dans les, je sais plus, on est 4 ou 5 à bosser en ce moment sur la France. Et il y a eu 3 512 qui ont été vendus dans une autre Fnac, donc ils avaient du stock. J'ai vu 228, un 512 partir dans d'autres. Ils commencent à réavoir du stock, c'est intéressant. Mais au niveau SAV, c'est... Alors des fois, ça fait du ping-pong inutile, parce que tu tombes sur 4, 5 personnes. Mais au bout, la partie de ping-pong, tu la gagnes gentiment, sans stress, ils sont super cool. Et en général, ton courrier commence par « exceptionnellement, nous allons ». Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer sur le Discord que quelqu'un avait eu son casque changé hors garantie. Son MetaQuest 2 en panne, il lui a été chargé et changé, malgré le fait qu'il n'ait pas été sous garantie. Voilà. Je vous dis pas que ça va durer éternellement. Ça fait 7 ans que je le dis. Déjà, moi, quand en 2016, je me suis assis sur mon... Je sais que vous connaissez l'histoire. C'est pour ceux qui la connaissent pas que je la raconte. Quand je me suis assis sur mon Oculus Rift, je crois que je l'avais payé 900 balles à l'époque. Je me suis assis dessus. Je l'avais mis sur mon simulateur de bagnole pour jouer à... C'était... Ah, comment ça s'appelle Rally, ah zut, bon bref, on s'en moque. Je m'assois et j'entends cling. Je venais de péter un écran. Je le remets, j'ai qu'un œil qui marche. Enfin, il n'y a qu'un œil qui voit quelque chose. Et je les ai contactés, je leur explique, voilà, je me suis assis, ça a fait un clink, etc. Renvoyez-le-nous. Et attention, renvoyez-le-nous à Eric de Brocard, pas à Gamergen. Hein. Le casque, c'est moi qui l'avais acheté à ce moment-là. Donc je veux dire, c'était Monsieur Lambda, Monsieur Tac. Donc je me suis dit waouh, et chaque année qui passe, je me dis ça va s'arrêter, et ça ne s'arrête pas. Ils sont toujours aussi efficaces. Après, faut pas les prendre pour des quiches, mais si tu es direct, clair et précis, je veux dire, même sur un truc pas, c'est fou. Donc n'hésite pas à renvoyer ton Quest Pro. On le savait, tu en récupéreras un tout neuf, c'est pas plus mal. The Def 2.0 qui nous dit. Bonsoir, j'aimerais passer sur du PC VR, mais je ne sais pas quoi choisir entre HTC Vive Pro 2 ou le Valve Index. J'aimerais aussi passer avec du sans fil. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je mets cette question provisoirement de côté pour pouvoir la traiter un petit peu plus tard, parce que j'aurais gardé le rythme. Et ça va prendre du temps pour te répondre. Enfin, j'ai fait des vidéos là-dessus déjà complètes, mais honnêtement. Bon, allez, j'y vais. Bon, tant pis. On fait le break. On avancera sur le Quest 3 S après.
tu te poses la question chez, entre HTC Vive Pro ou Valve Index. Déjà, le Valve Index, aussi génial soit-il, tu l'oublies. On est sur une génération passée, à moins de l'avoir à 200-300 balles, je veux dire, ce qui est à peu près improbable, quoique, disons qu'il commence à dater un peu. Screen doré, alors gros, le meilleur fauve qui soit, et je crois que c'était du 100 dans 120, si ma mémoire est bonne, tu vas avoir du screen door effect, ça c'est une obligation vu la définition, elle est pas, disons que maintenant ça va, enfin à l'époque ça passait, maintenant c'est, disons que c'est un peu dommage. HTC Vive Pro 2, si tu veux j'en ai un à vendre, bah ça reste un casque HTC très pro, très propre, mais il a un fil. Et si tu veux te passer de fil, c'est ça, à moins que j'ai loupé un truc. Il est possible que j'ai loupé une info chez HTC, tout à fait possible. Mais si tu veux faire du sans fil avec un HTC Vive Pro 2, ça marche très bien. Il faut acheter un truc à 340 balles, même si peut-être que le prix a changé, mais en tout cas du montant, c'était 340, enfin du temps du Quest Pro 2, c'était 349 euros. 349 euros, il faut avoir une tour. Parce qu'il faut pouvoir mettre une carte pour passer du 8 gig. Et le problème avec le Quest Pro 2, le HTC Vive Pro 2, c'est que l'appareil que tu mets dessus pour faire du sans fil, il n'a pas été prévu pour le Pro 2, mais pour le Pro. Donc si tu joues sans fil, tu ne peux jouer qu'avec la résolution inférieure, donc une centaine de points de mémoire, du Vive Pro 1. Tu vois l'astuce, tu vois la problématique. Donc c'est du sans fil en un peu underground. Après ça marche très bien. Ça reste malheureusement du SteamVR, donc tu as des bases de tracking obligatoires. Donc tu vas jouer à un endroit défini. Tu vas pas aller te mettre dans ton lit pour regarder un film, à moins que les bases soient dans ta chambre. Pourquoi pas ? Enfin, t'as compris, c'est pas un casque, c'est un casque pro. Voilà, idéal pour faire pour les salles d'arcade, etc., pour les geeks avancés de l'époque. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, en PCVR, il faut noter que la progression a été impressionnante. Je le disais il y a pas encore longtemps, par exemple, vous allez voir, comme je suis pas anti-Pico, un Pico Neo 3 Link, vu qu'il est connectable en DP, donc en DisplayPort, te donner une très belle image. Le même défaut que le HP Reverb G2, c'est-à-dire il chauffe, il est un peu lourd à porter, il a un fauve relativement réduit, mais pour tout ce qui est simulateur de bagnole et tout ça, ça passe. Et le Pico Neo 3 Link a plus, demande beaucoup moins de ressources que son concurrent et qui est celui qui était le meilleur actuellement, le HP Reverb G2. Pour la Simu, c'était vraiment le meilleur casque qui soit, avec une belle résolution, 2160x2160 pareil, sauf qu'il fallait une grosse carte graphique pour le faire tourner, et que c'est un WMR, et que le WMR à l'interface Windows, elle est relou. Très relou. Mais ça marchait quand même très bien. Donc tu vois, c'était ces deux casques. Aujourd'hui, on est en 2024, en début d'année, on sait pas ce qui arrive, mais on sait qu'on en autonome et en pro, ça va pas changer. On verra ce que va donner le Pico 4S. Là, on a un Meta Quest 3 qui donne vraiment bien en PCVR. C'est pas aussi bon que du filaire, je te l'accorde. Mais quand même, ça commence à cracher. Si tu as un bon routeur, si tu choisis tes bons codecs, si tu as une belle carte graphique, si tu as un bon pros, si tu as tout ce qu'il faut pour faire du PCVR haut de gamme, tu prends un Quest 3, tu es très content. Tu prends un Pico 4S, on verra. Parce qu'il a les mêmes caractéristiques, c'est pareil, ça sera discuté. Aujourd'hui, tu as Steam Link VR qui est pas dégueu, super simple à utiliser. Pas le plus optimisé, mais suffisant pour vraiment faire plaisir à la majorité d'entre nous. Tu peux utiliser aussi Virtual Desktop, et là, tu vas commencer à pouvoir mettre les mains sous le capot en choisissant du AV1, du machin, si t'as une 4000, une série 4000 de Nvidia, etc. Tu peux aller pousser très loin ton débit. Et si vraiment t'es un ouf, comme dirait, tu vas sur notre Discord, le lien est en description, tu pars en discussion avec Mox, tu prends en discussion avec Dieu, oui, on a Dieu sur notre Discord. Attention, je valide absolument pas tout ce qu'il dit, hein.
Je ne suis pas anti-Dieu, mais des fois, on arrive à dire la même chose, mais pas toujours. Cela dit, que ce soit Mox, que ce soit Dieu ou que ce soit les autres, ils sont tous très pointus en PCV, hein, très très pointus. Tu vas avoir de grosses discussions et ça, si vraiment tu aimes ça, tu peux y aller. Si tu es comme moi et que tu aimes que ça fonctionne de façon simple, Steam Link, Virtual Desktop, tu mets en auto, ça fonctionne très bien. Et après, tu commences à titiller un peu, on en discute, il n'y a pas de souci. Et après, tu peux aussi utiliser Oculus Link avec ou sans fil, parce que là, avec du fil, là aussi, tu peux, avec le Debug Tool, tu peux aller pousser un peu dans le bitrate et avoir des trucs de dingue. Si avoir un fil ne te gêne pas, ça peut être cool. Quand sans fil, bah, je pense que Virtual Desktop est meilleur. Encore une fois, tout ça est discutable. Tu as notre Discord, ce genre de discussion, de réglage, de peaufinage, c'est exactement l'endroit où il faut aller. Discussion générale sur la VR. Voilà. Après, tu as un truc Stream Racing, Flight, etc. Si tu as envie de pousser. Voilà. Et alors, on va voir au niveau des réponses par rapport à ce que j'ai dit. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas, j'ai pas vu. Donc, je peux pas remonter tout le chat là pour savoir si vous avez commenté tout ça. Mais globalement, ce que je viens de dire, c'est très simple. Voilà. Un Quest 3 aujourd'hui répond très bien à la majorité d'entre nous, permet à la majorité d'entre nous à jouer à du PCVR de façon optimale. Au-delà, c'est-à-dire si tu veux du méga premium, alors oui, on retombe sur du filaire, il y a des discussions à avoir, mais là, bon, je pense que ça peut faire. Aujourd'hui, tu mets ton casque, tu mets Steam Link VR, tu te l'installes, tu joues, tu t'achètes le Virtual Desktop, tu t'installes, tu joues. C'est aussi simple que ça. Il faut juste avoir du bon matériel à tout niveau. Le MetaQuest 3, ça c'est réglé. Un PC avec une carte graphique qui va bien. Et attention, tu peux très bien jouer avec une 1080. Même une 1070 aujourd'hui, ça fonctionne toujours très bien. C'est sûr, ça sera pas au bon niveau. Mais ça fonctionne. On n'est pas tous obligés d'acheter une 4070 aujourd'hui. Perso, j'ai une 3090. Et je suis passé de la 1080 à la 3090. Toi, j'ai attendu une génération. Après, je me suis chopé une 2080 Ti. Pas très cher, c'est, j'ai fait une bonne affaire, je l'ai prise. Et après, je n'ai toujours pas passé à la 4000. Okay, donc, c'est très important de comprendre qu'on est, on n'est pas esclave du marketing. On peut avoir des PC, les faire durer 3, 4, 5 ans avec une 1080. Ça tourne toujours très bien. Voilà. Après, faut pas avoir un i3, un i80, on est d'accord. Faut avoir un i7, c'est bien. L'i7, c'est le processeur moyen. Mais un i5 va très bien, un gros i5. Un i5 dans la série 700, ça va très bien. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que un Quest 3, ça va très bien pour faire aussi du PCVR. Voilà, je vous l'ai dit. Je pense que je me répète, que je tourne en rond. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà. Alors, de toute façon, je vous rappelle le Discord et aussi, vous avez le lien en bas, MetaQuest 3 France comme groupe Facebook, où là aussi, vous posez vos questions. Il y a même des discussions qui sont ouvertes sur le parrainage, sur les questions techniques, etc. Info ou intox, casque VR chez Nintendo. Écoute, depuis que j'ai fait la vidéo qui en parlait, c'est-à-dire il y a quelques mois en arrière, j'ai pas eu d'autres infos. Pour l'instant, ça bouge pas. S'ils en sortaient un, Mario, tous les Mario en vert, ma ta 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 ta, je suis mais là, tout seul, j'y vais. D'ailleurs, je vous préparerai bientôt un revival avec parce que j'ai racheté une Switch là, un revival avec la VR sur Switch parce que j'ai envie qu'on en reparle un peu. Je crois que j'avais pas fait de vidéo dessus, donc on s'amusera avec. Jean Lemaire, bonsoir, j'ai un souci avec VR tennis de table, impossible de jouer en réseau. Est-ce que peut-on supprimer le jeu et le racheter? Alors écoute, le plus simple, Jean Lemaire, c'est pas de désinstaller le jeu. C'est de, quand tu es dans le jeu, c'est de cliquer sur le Discord. Tu as le lien vers le Discord. Ou du moins, tu vas sur le Discord d'Eleven et tu discutes avec eux. Il y a deux raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas jouer en réseau avec Eleven Table Tennis.
Il y a deux raisons principales, ça m'arrive régulièrement. La première, c'est tu n'as pas encore fait les services et tout ça, donc tu ne peux pas jouer en multi, ça bloque. Donc il faut avoir fait le tuto de démarrage pour pouvoir avoir le droit au multi. Ça, c'est la base. La deuxième, c'est que tu aies lancé le jeu avant que la connexion Internet ne soit établie avec le casque et enfin que la connexion à la Tabox soit faite avec le casque. Donc, un, tu lances ta connexion, tu lances ton navigateur pour voir que tout est, que t'es bien connecté et tout. Et après seulement, tu lances le jeu. Normalement, ça doit fonctionner. Sinon, direction la case Eleven, le Discord Eleven Table Tennis. Et là, je pense qu'ils te régleront le problème très vite. Ça, c'était pour Jean Lemaire. Je retourne du côté du chat en direct pour voir si tout va bien. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors, je vois que. Oh, merci Samuel Tagliamento pour ton tips. Tu es un amour. Merci beaucoup. Je remercierai tout le monde à la fin. C'est important. Merci. Grâce à toi, on n'aura pas de pub pendant ce live et ce YouTube me le fait vraiment payer cher. Un jour, il faudra que je fasse un live avec des pubs quand même. Je vois que Toyo nous dit le CPU n'a pas une grande importance. Je suis relativement d'accord avec toi. C'est le GPU qui compte le plus pour la réalité virtuelle, mais pas que. Ça va dépendre à quoi tu joues. Je vais te donner un exemple tout bête. En 2020, quand j'ai commencé mes lives, j'ai fait un live sur les PCVR, qu'est-ce qu'il fallait acheter. J'ai même fait venir Stéphane Quentin, responsable marketing France de Nvidia, avec lequel on a discuté. On parlait bon, plein de choses. Mais à cette époque-là, mon leitmotiv, c'était de montrer que mon premier PC gamer acheté à un prix indécent, c'était un i7 920 de 2011. Nous étions alors en 2020. Je n'avais c'est un Predator. J'avais juste changé la carte mère à l'époque parce que j'aimais pas la carte Acer. J'avais mis une Rogue déjà à l'époque. Je n'ai rien changé. J'avais juste rajouté une 1080 stock, d'accord? Une 1080 FE, donc une 1080 Founder Edition. Et je faisais tourner de la VR dessus en 2020. Un PC qui avait 9 ans. Je fais toujours tourner de la VR sur ce PC, juste expérimentalement parlant, mais ça tourne. Super hot, Beat Saber. Alpha FX, j'ai pas essayé, il faudra que je le relance juste par curiosité. Donc ça tourne très bien, et oui, un i7 920, un PC, un pros de 9 ans. Mais ce PC, il se mettait à genoux sur un jeu, et pas dans toutes les conditions. Project Cars 2. Pour expliquer la différence et la nécessité d'un CPU dans un jeu, je me servais, et vous pouvez le faire chez vous, de Project Cars 2. Tu démarres, je mettais sur. Alors, je crois qu'elle n'y est plus, la piste. J'ai l'impression qu'elle a disparu dans Project Cars. Il y avait Cannes, tu avais tout le. Tu démarrais devant Cannes, tu faisais tout l'arrière-pays niçois, etc. Tu allais jusqu'à Monahaez et tu revenais. Tu te mettais sur la croisette avec 24 concurrents. Tu faisais du 4 images secondes. Une fois que les concurrents étaient partis, ou si tu redémarrais la partie tout seul, ou avec deux, trois concurrents, tu roulais normal, pépère. Ce qui veut dire que oui, le CPU n'est pas utile de façon globale, sauf bah, quand il y a du boulot de CPU à faire, gérer les PNJ, gérer les véhicules, gérer les machins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un bon équilibrage GPU-CPU, c'est à minima un i7, Ryzen 7, avec un GPU qui va bien. Après, encore une fois, un i7 300, un i5 700, ça se vaut, hein, tu vois, ça faut, mais de façon globale. Je rappelle à l'époque ce que je disais, et c'est toujours valable aujourd'hui. i5 X60, donc 4060, i7 4070, i9 4080, 4090 par exemple. Même si un i7 et une 4080, 4090, ça va très bien. Mais si tu veux, au point où t'en es, tu essaies de l'équilibrer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long avec ça. Voilà.
Ok. En tout cas, c'était très intéressant comme démonstration. Alors, Chronic Over, il aime pas mes micros comme ça. Ben écoute, là, normalement, le réglage est fait, le son est bon, je peux me tourner, je peux même aller faire pipi, vous m'entendez toujours. Donc, je sais pas, vous voyez, écoute. J'essaierai encore d'autres réglages, si ça va pas aujourd'hui, j'essaierai de faire... Alors, je demandais si ça allait, tout simplement. Voilà, tu vois, il y a Jean Le Maire qui nous dit, ma 3090 et un i9, tous mes jeux tournent, top, les 40, plus encore... Le son craque. Ok. Bon, bah écoute. On va essayer. Attends. Je vais essayer. Hop, hop, hop. Attends, je vais essayer un truc. Voilà. Prochaine fois, j'essaierai de passer en digital ou d'analogique, mais on verra ça la prochaine fois. Alors, bah écoute, faudra que je fasse des re-réglages, tout simplement. Voilà. Bon. Alors, quand je vous ai dit i9, 4090, 4110, c'est pour parler des cartes d'aujourd'hui, mais c'est pareil pour i5, 3060, i7, 3070, i9, 80, 80, 3000, 2000, 1000. Enfin, c'était la même logique à l'époque. Voilà. OK. Bien. Alors, bah écoute, normalement, j'avais tout réglé pour pas que ça fasse ça. Mais là, de toute façon, j'ai pas mon autre micro, donc on va essayer de faire avec. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ça pop-pop. Pop-pop, il n'y a pas de raison. Je vais essayer de comprendre. M'accorder 30 petites secondes, je vais chercher. Hein, attends. On va éteindre le téléphone. Peut-être que le téléphone pourrait que ça fasse que ça t'attaque. Voilà, voilà. J'ai enlevé mon téléphone, ça y est. Il est éteint. Est-ce que là, ça va mieux sans téléphone, les loulous? Est-ce que ça va mieux? Comme ça. C'est mieux? Voilà. Normalement, ça devrait aller. Je vais remonter un peu le son ici. Voilà. Donc, on a trouvé... Le responsable, mon ROG Phone 5. C'est pas bien du tout. Je l'ai grondé, c'est bon, il le fera plus. Voilà, donc il suffisait. Bah voyez, on avance les gars, on avance. Non, c'est pareil pour Cocodef. Attends, bah, on va voir. Hein. Faites un refresh. Attends. Alors, attends, je vais faire un autre, ah, je vais tenter un autre, un dernier test. La première. Là, vous allez tous passer en mono pendant quelques secondes. Alors, attends. Là, je dois être en mono. Je vais juste essayer. Tac, tac, tac. Ah, attendez. Hop, hop, hop. Hop, hop. Écoutez les gars, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Attendez, j'essaie de faire plaisir à tout le monde s'il y en a qui vont pas bien. Voilà. 1, 1, 1. J'ai le gain, le limitateur, le compresseur. Je vais augmenter légèrement le gain. Encore 5 dB. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que cette fois-ci, est-ce que vous avez le son en mono, c'est-à-dire vous avez bien le son des deux côtés de vos oreilles, alors que je n'ai qu'un seul micro. Est-ce qu'on est bien comme ça? Voilà, parce que là, je suis passé de son stéréo, donc un son décalé, avec un seul micro qui normalement devrait envoyer sur les deux. Mono, vous avez bien le son sur les deux ou sur une seule oreille? C'est ça qui m'intéresse. Voilà, oreille droite seulement, et c'est ce que je craignais. Allez, on repart. Voilà. Bon, eh ben voilà, on est revenu sur les deux oreilles. Alors, je vais... Tac,
On va y arriver, on se prend un petit... Je couperai cette partie dans le replay. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Je vais descendre un peu à 14 dB au lieu de 15. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, là, j'ai réglé le seuil. Voilà. Bon, le son doit être... Oh, oh, oh putain, non, là, il part en couille. Oh là, ça va pas du tout, là. Pardon, excuse, pardon. J'ai touché quelque chose que j'aurais pas dû. Alors, attends. Tac, tac. Voilà, là, ça va aller mieux. Excusez-moi, hein, deux petites secondes. On est coupé en plein. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas saturer et je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais redescendre gain en sortie 3. Voilà. Et là, ça devrait aller mieux. Voilà, je dirais que ça devrait aller mieux. Putain, mais non, il sature le son, mais de suite, quoi. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors, il y a un truc que je vois passer en gros rouge. Dès que j'arrête de parler, c'est chaud. 1, 1, 1, 1, voilà. Non, là, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de... Voilà. Ouais, ouais, ouais. Titi. Alors, attention, je vais couper le son pendant quelques secondes. Voilà, le son doit être revenu. Est-ce que cette fois-ci, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, dites-moi si c'est mieux. Parce que là, carrément... Voilà. Je l'ai posé là. Normalement, là, on devrait être bon. Voilà. J'ai compris ce que c'était, les loulous. C'est parce qu'il est trop près du PC. Donc, il doit y avoir les ventilos, le machin, là, tout ça qui fait du bruit. Bien. Alors, on m'a dit, en rigolant, si les gens se plaignent, prends un Yeti classique. Non, j'ai un Blue World of Warcraft. C'est une tuerie. Simplement, notre ami Stéphane Sautier m'a offert ses micros parce que comme je me tournais, on m'entendait mal. Et de temps en temps, j'étais à côté et j'arrêtais pas de taper là-dedans et le couper. Enfin bref, vous l'avez compris. Voilà. Ok. Ah, faites un refresh, les gars. Faites un refresh sur le... Faites un refresh sur le... Comment ça s'appelle ? Faites un refresh sur le live et on va repartir de suite après. Voilà. Non, est-ce que les micros, c'est pas trop près d'un de l'autre? Non, je pense pas. Là-dessus, il n'y a pas trop de... J'ai l'habitude de les avoir sur scène. Enfin, pas ceux-là, mais d'autres, c'est pareil. Et voilà. Bon, écoute, on va essayer comme ça. Allez, on y va cool ou on y va pas cool? On est parti. C'est parti, je viens d'essayer, là, de changer le côté des micros. Bien. Allez, c'est parti. Vous avez tous fait un petit refresh. On repart comme en 40. Je sais plus où on en était du tout. Mais je vais repartir. Donc là, je sais qu'il faudra que je coupe. Alors, c'est quoi? Je vais me faire un geste pour savoir où je dois couper. You ou... Il faut que tu coupes, Eric. Là, tu prends un ciseau et tu coupes. Voilà. Non, j'ai rien de branché d'inhabituel. J'enlève pour autant tout ce qui est branché dessus. Comme ça, on verra bien. Voilà. Hop. Là, j'ai enlevé le micro au casque, j'ai tout enlevé. C'est à la fin des phrases. Donc ça, c'est juste la coupure, j'ai compris. Ça doit être mon réglage qu'il faut que j'améliore, tout simplement. Mon copage, ben, je vais y arriver. Je vais y arriver. On ne sera pas désespéré. Je vais y arriver. Tac. Gain en sortie, relâchement, 60 millisecondes. Attaque, 6 millisecondes. Hop. 5. Seuil. Bon, allez. Je bouge plus.
Mais ça va faire une vidéo un peu figée, les gars. C'est parti, je retourne dans les questions. C'est parti. Alors, donc VR Tennis, Jean Lemaire, je te laisse voir. Chronicover, salut, content de te voir ce soir d'ailleurs. Yop Eric, je suis impatient de passer du Q2 au Q3, mais 700 euros, c'est hard. Y a-t-il une petite offre à la FNAC jusqu'au 31, ça vaut le coup, ou vaut mieux attendre une baisse ou une meilleure offre bientôt? Est-ce que vous voulez que je vous donne l'astuce pour vous faire du pognon, enfin, pour économiser du pognon sur votre achat? D'accord? Ok. Ouais. Si vous êtes assez à dire oui, là, tout de suite dans les commentaires, si j'ai une liste de oui, je vous explique comment gagner 60, 130, allez, 130 balles. Alors, je vais vous expliquer. Et écoutez bien, parce que c'est un truc qui est très simple. Alors, on y va. Vous voulez... Ah, merci Stéphane pour ton tips. Vous voulez acheter un casque. Il va vous coûter 700 balles. Ça va être très difficile de passer outre. Bon, vous pouvez faire le tour des Cash Express. Vous commencez à trouver quelques Quest 3 128 gigas, pas des 512, c'est clair, à peu près à 100 balles de moins. Pas intéressant pour une société qui a 20% de remise. Et oui, la TVA, on ne le paye pas en tant que société. Mais pour les particuliers, ça peut le faire. Maintenant, on va passer au 9. À la FNAC jusqu'au 31 octobre. Non, 31 mars. Fatigué, Eric. Donc, je disais, à la FNAC jusqu'au 31 mars, il y a les jours adhérents. Meta a négocié avec la FNAC pour un cashback de 10%. OK ? Ça veut dire que les adhérents, normalement, ont droit à 10 euros sur leur carte tous les 100 euros d'achat. Ben là, c'est pareil. Sauf que, par exemple, le casque ne vaut pas 700, mais 699,99 et que tu n'aurais pas droit aux 10 euros de plus, sauf si tu achètes un truc en plus. Il y a un truc à un centime, ça n'existe pas. Bon, bref, vous l'avez compris. Donc là, vous achetez un MetaQuest 3 128, vous avez 55 euros sur votre carte. Vous achetez un MetaQuest 3 512, vous avez 70 balles. Vous venez de prendre 70 balles sur votre carte. OK ? À ce moment-là, ce cashback sera activé le lendemain matin. C'est-à-dire que c'est 24 heures, en gros, c'est le lendemain matin. Si vous achetez le casque aujourd'hui, bah demain, vous avez droit à votre cashback. Avec ce cashback de 70 balles, vous pouvez acheter un accessoire si vous en avez envie, mais vous pouvez acheter du cash sur le store. Vous achetez des cartes. Vous avez des cartes à 25 euros, des cartes à 50, vous pouvez faire du 50. Bref, vous pouvez prendre 70 balles de cashback. Vous avez 70 balles de cashback. Vous avez payé 700, je vous l'accorde, mais vous avez déjà 70 balles de cashback sur votre compte Meta. Ensuite, ce casque que vous achetez, vous allez créer avec votre propre lien de parrainage, puisque vous avez déjà un Quest 2, hein, ou un Quest 2, ou un Quest 3, ça marche aussi. Vous allez vous inviter vous-même à créer un compte Meta. Et pour ça, vous créez un nouveau mail, indépendant de ce que vous avez déjà, complètement à part, c'est important, et vous créez un compte Meta avec ce nouveau mail. C'est simple. Vous, à partir de votre compte principal, vous envoyez une offre de parrainage, vous connectez du côté réception, là, vous suivez le lien, vous voulez créer votre compte Meta, oui. Rentrez votre mail, votre nom, votre prénom, votre carte bleue, votre compte PayPal. Validez, ça y est. Vous êtes parrainé. Vous venez de prendre, enfin pas encore, mais vous allez prendre 30 euros et vous, du côté du nouveau compte, et vous allez prendre 30 euros du côté de l'ancien compte. Ce qui fait 60. Déjà. Pour faire terminer et valider cette offre, enfin ce parrainage,
Il faut connecter le casque tout neuf au nouveau compte tout neuf. Et le moment où ils seront où l'application aura reconnu le nouveau casque avec le nouveau compte, vous prenez les 30 balles et ça les valide aussi du côté de l'utilisateur, de celui qui vous a parrainé, accessoirement vous. Vous avez donc 30 balles à droite sur le compte B, 30 balles sur le compte A, ça fait 60 balles, et vous aurez le lendemain matin 70 balles de plus, ça fait 130 balles. Vous avez acheté un casque à 700 euros et vous avez 130 balles pour vous offrir des jeux. Ok ? Alors vous allez me dire, oui, mais alors le deuxième compte, est-ce que je peux jouer au jeu ? L'astuce est la suivante. Elle est simple. Vous mettez votre compte principal. Alors si, bien. En admettant que vous ayez un Quest 3 et que celui-là soit un deuxième. D'accord, vous avez peut-être le 512, vous avez acheté un 128 pour la famille, les copains. Bref, bah, vous mettez votre compte principal, enfin votre compte original en secondaire sur le casque, le casque avec le nouveau compte. Facile, hein. Vous mettez, on va parler de compte A et de compte B. Le compte A, c'est votre compte original. Le compte B, c'est le nouveau. Bah, vous mettez le compte A en secondaire et sur le casque original, vous mettez le compte B en secondaire. Comme ça, vous avez les deux comptes sur chaque casque. Et quel que soit celui que vous mettiez, bah, vous aurez tous les jeux, vous pourrez jouer en multi, etc. Vous n'achetez sur le compte B que des jeux auxquels vous voulez jouer en multi avec le précédent casque. Si vous n'avez plus le précédent casque, vous le bénez. Le vôtre. Alors, je m'emballe, je vais trop vite. Vous avez compris le principe des comptes A et des comptes B croisés. Vous pouvez, sur les deux casques, avoir tous les jeux. Puisque vous pouvez même jouer au même jeu en étant connecté au même compte sur deux casques différents en même temps, Meta ne vous embêtera pas, sauf exception. Par contre, vous ne pouvez pas jouer en multi parce qu'on ne peut pas se trouver soi-même. Mais si vous lancez, alors il y a des jeux qui ne sont pas compatibles avec cette, comme sur Steam, hein, qui vous disent vous êtes déjà connecté. Alors, astuce, vous lancez Super Hot. Il va checker s'il y a déjà quelqu'un qui l'utilise sur le même compte. Vous le lancez, c'est bon. Vous coupez le Wi-Fi. C'est pas un jeu multi, c'est un jeu solo. Vous coupez le Wi-Fi, vous prenez le deuxième casque et vous lancez aussi Superhot. Comme ça, vous pouvez jouer chacun de votre côté à Superhot. Et vous pouvez rebrancher le Wi-Fi une fois que le jeu est lancé. Enfin, une fois que le jeu a démarré, le check se fait qu'au démarrage. Maintenant, si ce casque est un nouveau casque et que l'ancien, vous comptez le vendre, vous faites la même procédure. Vous vous auto-parrainez, vous créez le compte B avec votre offre de parrainage. Vous venez de prendre 30 balles. Vous connectez le casque une fois. Et une fois que vous avez les 30 balles, puisque vous n'avez pas l'intention d'utiliser ce compte en réalité, vous achetez avec ces 30 balles-là un jeu que vous offrez à votre compte principal. Très simple. Offrir, vous savez, vous allez sur un jeu, vous faites offrir, vous rentrez le mail de votre compte original, vous de l'autre côté, vous allez vous brancher, vous récupérez le jeu, vous dites OK, j'accepte, etc. Une fois que vous avez claqué vos 30 balles, vous déconnectez le casque de ce compte principal, de ce nouveau compte, vous le réinitialisez complètement et vous redémarrez le compte sur votre compte original. Et là, vous aurez tous vos jeux, etc. Vous aurez actuellement deux comptes sur le compte original. Rien ne vous empêche, bien sûr, de mettre le compte nouvellement créé en secondaire. Pourquoi je vous fais mettre l'ancien compte en principal si vous ne gardez qu'un casque ? C'est parce qu'un casque secondaire, un compte secondaire n'a pas le droit aux sources inconnues. Le mode développeur ne fonctionne qu'avec un casque admin, donc avec l'admin du casque, donc avec le compte principal. Donc voilà, vous pouvez garder un casque secondaire avec un compte secondaire et lui, vous pourrez mettre QGO par-dessus en l'achetant séparément, mais il faut que le compte que vous utilisez couramment soit admin pour que vous puissiez utiliser QGO, du sideloading et des choses de ce genre-là, puisque les comptes secondaires ne peuvent pas y accéder. J'espère avoir été clair, parce que j'étais pas parti pour vous raconter ça ce soir, alors j'avais peut-être pas bien travaillé sur mon organisation. Voilà. Ok, est-ce que je vous ai été clair ?
Lionel H qui nous dit donc 30 euros méta et 30 euros méta et 70 euros Fnac. Ce soir, Meta va bloquer les modalités de remboursement. Absolument pas. Ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que ça fonctionne très bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est abuser de l'auto-parrainage avec un casque qui a déjà été parrainé. Alors je m'explique. Là, je vous ai bien parlé d'un casque neuf. Tu le reçois, tu t'auto-parraines en créant un nouveau compte. Il n'y a absolument rien d'illégal, ni même d'anti-chart là-dedans. C'est un nouveau casque. Après, bah, tu récupères les sous, il n'y a rien d'illégal. Tu le décroches de ton compte, tu le mets sur ton ancien compte parce que c'est là-dessus que tu veux l'utiliser. Il n'y a rien hors charte, il n'y a rien d'illégal. C'est juste une astuce. Et ça fonctionne. Si vous voulez bloquer, il pourrait. Après, il y en a qui font des choses un peu moins honnêtes. Je m'explique. Le casque que tu viens de faire là, tu viens de l'acheter. Tu viens de te créer un nouveau compte. Tu as pris 30 balles et 30 balles. Je te donne. Tu le déconnectes de ce compte-là. Tu crées et tu parraines un nouveau compte. Et tu reconnectes ce casque que tu as déjà validé sur un autre compte. Tu peux aussi le refaire marcher sur ce nouveau compte. Alors, ça s'appelle de l'auto-parrainage. C'est un abus parce qu'en fait, au départ, ce sont les comptes qui sont parrainables et qui reçoivent les 30 euros, pas les casques. Donc, un casque d'occasion peut être reparrainé. Parce que c'est pas lui qui est parrainé, mais bien le compte. Donc, si moi, j'achète un casque d'occasion, je l'ai fait, je crée un nouveau compte qui va avec ce casque, j'aurai les 30 euros si j'ai été parrainé par quelqu'un. Alors, vous allez me dire, oui, mais il a déjà servi le casque. Oui, ça peut fonctionner et ça fonctionnait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y en a qui ont abusé. Ah ouais, tu le fais 10 fois, tu prends 300 balles. Alors, depuis octobre, il y a eu le problème Asgard Wharf 2 qui est offert. Et ce qui fait que il y a eu un léger changement. Alors, je parle pas de ce que je vous ai expliqué, ça fonctionne très bien. Et Asgard Wharf d'ailleurs sera affecté au compte que vous avez créé initialement. C'est peut-être la seule raison qui vous permettra de garder ce compte en utilisation secondaire. Mais donc du coup maintenant ils captent, ils le faisaient avant aussi mais ils étaient cool. Là ils le sont moins, ils captent le numéro de série pour bloquer le déblocage d'Asgard Wharf 2 pour un même casque sur plusieurs comptes. Mais pour l'auto-parrainage, ça marche. Donc n'abusez pas d'auto-parrainage, de faux auto-parrainage avec le même casque, vous risqueriez un River Byton à un moment donné. Mais ce que je vous ai expliqué est tout à fait légit, fonctionnel, efficace. Vous achetez un casque à 700 balles, vous avez 70 balles de la Fnac, vous venez acheter des cartes méta pour pouvoir vous donner... Alors après, vous pouvez acheter un accessoire, hein, 70 balles, vous achetez le strap officiel, vous pouvez acheter, je vous le conseille, d'acheter le face cover en silicone, enfin le celui de méta, ou vous mettez de l'argent sur votre compte. Bref, vous avez 70 balles. +30, +30, 130. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon truc et que, ben voilà, n'hésitez pas. Faudrait que j'en fasse une vidéo. Voilà. Ok. Et oui aussi, Fred Extreme Silver nous rappelle que pour le même prix, tu as aussi Asgard Wharf 1 sur le compte Oculus.exe, donc en PCVR, qui est offert puisqu'il est offert en crossplay. Alors, Tibe Baster 4 nous dit, est-ce que je suis le seul qui ne peut pas se faire parrainer? Genre, ça me dit soit que j'ai déjà été parrainé ou que dans mon pays, ça ne fonctionne pas. Alors, Tibe, je ne sais pas dans quel pays tu es. Et tu vas pas nous dire parce qu'on n'est pas, on n'est pas de la police, on n'a pas besoin de le savoir. Par contre, tu contactes le service Meta, support.meta.com, hein, support avec un T, .meta.com. Tu te connectes sur WhatsApp, tu expliques ton problème, tu dis voilà, j'ai reçu un lien de parrainage, voici le nom de la personne qui m'a parrainé, voici le lien qu'il m'a envoyé et ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ce à quoi ils vont te répondre oui, non, ils vont vérifier que la personne est bien existe, enfin qu'elle a vraiment un casque, elles vont vérifier que toi tu as vraiment un casque connecté à ton compte et tu auras les 30 balles. Et avec un peu de chance, il les aura aussi. Voilà, si le lien n'est pas fin.
Donc, techniquement, il suffit d'aller simplement t'expliquer avec Meta et ils te fileront les 30 euros. Ils sont adorables là-dessus. Voilà, ça va par contre t'obliger peut-être à une, deux, trois personnes des fois avant que ça arrive à se régler. Chronic Over est-il toujours offert Asgard? Oui, il est offert jusqu'à la fin du mois, je crois. En tout cas, c'est ce que j'avais sur ma PLV Meta. Ils ont repoussé l'offre. Voilà. Ok. Alors, Olivier, tu vois, bah voilà, tu as Olivier dans le chat qui te dit « J'ai fait deux parrainages qui n'ont pas fonctionné. Après contact auprès de Meta, j'ai eu deux fois 30 euros. » Les gars, pas rien vous dire de plus. C'est... No comment. C'est tellement dingue. C'est tellement dingue. Alors, je vais continuer pour les questions et après j'attaquerai le nouveau sujet. Alors, The One 76, as-tu une préférence pour Steam Link ou VD? Alors, connaissant notre ami The One, je sais que la question est piège. Alors, je vais te répondre. Parce que j'ai répondu tout à l'heure, mais peut-être que je pense que tu as posé la question peut-être avant. Alors, Steam Link, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de jouer au jeu PC VR Steam sur ton PC avec ton casque, sans fil. C'est la même chose que Steam Link sur votre téléphone si vous voulez jouer avec vos jeux Steam à partir de votre manette et puis son support téléphone ou à partir de votre télé, enfin ce que vous voulez. Donc moi personnellement je bosse avec en priorité Virtual Desktop avec Steam Link quand je suis feignant parce que ça fonctionne vraiment pas mal du tout et ça va vachement plus vite à installer. Et Virtual Desktop, alors je l'ai acheté sur tous mes comptes mais il m'a coûté j'ai 8 comptes, il m'a coûté 160 balles Virtual Desktop. Quoi. Enfin, en vrai, un peu moins parce que je les ai achetés en promo. Mais globalement, j'en ai au moins eu pour 140 balles pour tous les Virtual Desktop et je ne les regrette pas. Enfin, j'ai pas le choix, de toute façon. Surtout depuis qu'il a empêché de faire le démarrage multiple, tu étais obligé d'être connecté. Donc, tu te fais avoir avec. Bon, bref, un Virtual Desktop, un compte, un achat, ça me paraît logique. Steam Link, c'est gratuit. Donc, je conseille d'utiliser Steam Link en premier. Si vous voulez aller plus loin, parce que Steam Link, c'est local. Tu joues ici avec ton PC, tu joues en VR dans ta piole avec ton PC à côté. Virtual Desktop permet de jouer à distance, faire comme du Shadow. Moi, je laisse mon PC allumé ici. Si à la Fnac, j'avais une bonne connexion, ce qui n'est pas le cas, je pourrais faire une démonstration de genre en PC VR avec un PC à distance. Et ça fonctionne super bien quand tu as la bonne connexion. Moi, j'ai 5,2 Go ici. J'ai du 980 en up. Je suis autour de 13 ou 14 millisecondes de ping. C'est-à-dire, quand je me connecte de dehors, je joue comme à la maison. Il n'y a aucun problème là-dessus. À condition, bien sûr, d'avoir localement une bonne connexion, ce qui n'est pas toujours le cas. Je te l'accorde, même en 5G, des fois, c'est un sketch. Mais voilà, l'idée est là. C'est ce que Virtual Desktop me permet de faire en plus. Celui avec que je n'utilise jamais parce que c'est insupportable, c'est Link. Voilà, Oculus Link, j'ai du mal. Lionel H. Quel logiciel pour éditer les vidéos 3D du Quest? YouTube Studio à son concurrent Meta, Meta Quest Media Studio. Alors écoute, moi, les vidéos 3D, je travaille ça avec Adobe Premiere, quoi. Parce qu'en fait, je paye un abonnement qui me coûte un bras et même un poumon avec tous les mois. Alors, du coup, je me casse pas le bleu. Par contre, c'est une bonne question. La question, c'est est-ce qu'on pourrait tester des logiciels 3D pour balander machin, des trucs gratuits ou pas? C'est un sujet. C'est un sujet. Laissez-moi les questions en commentaire après le live. Je pourrais me poser des questions. Franck Tite, peux-tu nous donner la marque ou le lien de l'adaptateur USB-C charge et data présenté dans ton précédent live? Car j'en ai acheté un sur Amazon de marque Mosswag, mais il ne marchait pas. Ok. Alors, moi aussi, c'est un Mosswag. Et donc, je vais checker qu'il fonctionne parce que tu m'inquiètes. Je testerai les nouveaux que j'ai reçus là, parce que j'en ai reçu, j'en ai reçu 4, hein, les nouveaux là. Donc je vais tester ça avec amour, monsieur Franck. Pose-moi la question en commentaire après le live, s'il te plaît. Pour que Virtual Desktop marche correctement, faut-il que le PC soit branché en Ethernet ou le PC connecté en Wi-Fi à une box? Diététicien sur Fritil, je précise que je suis fibré. Alors, QS, KISS. On mélange tout, on recommence. Pour jouer en PC VR, déjà, il n'y a pas besoin d'Internet, à la base. Ça, c'est fait. Donc, fibré, pas fibré,
je veux dire, fibre à grand-mère ou fibre en turbo, s'en fout. La problématique, c'est la base. Et effectivement, si tu veux tirer un maximum et si tu veux avoir une qualité maximum, il faut que le PC soit connecté à la box en filaire pour éviter de la latence, pour avoir une connexion optimale et ne limiter les échanges Wi-Fi, c'est-à-dire avec effectivement transfert de paquets par air, etc., avec quelques pertes, etc., même si c'est du Wi-Fi 7, 6. Bref, pour optimiser ta connexion, il faut que ça soit la connexion soit filaire, soit Wi-Fi du casque au routeur, donc accessoirement à ta box, et de la box au PC, il faut avoir un câble. Ce qui ne veut pas dire que si ton PC est connecté en Wi-Fi à la box et ton casque connecté en Wi-Fi à la box, ça ne marchera pas. Moi perso, quand je fais des essais, des tests, hein, pas quand j'ai envie de jouer pour de bon, je le fais comme ça et ça fonctionne bien. J'ai un gros routeur, Netgear là-haut, TP-Link, pardon. Un gros routeur à 700 balles, ils m'ont filé avec 100 connexions simultanées, le processeur qui calcule tout pour optimiser, honnêtement, ça passe crème. Mais en filaire, c'est mieux. Voilà, donc tu peux aussi, si ta box est trop loin, t'offrir un petit routeur du style Wi-Fi 6, 7, oui, pas 7, Wi-Fi 6, un routeur 3 par exemple de... c'est pas Huawei, c'est comment il s'appelle leur truc là. Enfin bon bref, un petit routeur à 50 balles en Wi-Fi 6. C'est comment il s'appelle. Bon, ils te le diront dans le chat parce qu'ils savent le petit routeur tous que je préconise. Et tu le poses sur ta table à côté de ton PC, tu te connectes à lui. Et lui au PC, tu n'auras pas besoin d'aller sur Internet. Et le PC, lui, peut être connecté à Internet et faire le relais, par exemple. Voilà. Lexa déçu. J'ai commandé le Quest 3, mais je le reçois qu'à la fin du mois. Ça, c'est parce que tu as commandé un 512. Si jamais je le reçois le mois prochain, j'aurai toujours droit au jeu gratuit sinon, si l'offre est finie. Alors, Lexa, tu as commandé ton casque aujourd'hui, même si l'offre s'arrête, et même si à ce moment, au moment où tu l'installes, l'offre n'existe plus, ouin, service client. Je pense, je mettrai pas ma main à couper parce qu'on sait jamais, hein, tu peux tomber sur un méchant. Mais globalement, ils t'enverront certainement un code. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tu l'as acheté avant. Tu peux même déjà ouvrir un ticket en disant voilà, j'ai acheté le casque, je vais le recevoir à la fin du mois. L'offre d'Asgard se termine. Est-ce que j'aurai quand même droit? Parce que j'ai quand même acheté le casque aujourd'hui, donc dans la période où j'aurai droit à ce jeu. Et tu peux déjà anticiper. Y a-t-il du motion capture sur VD? Et j'ai pas compris la question, je suis fatigué ou alors j'ai un truc que le motion capture. Qu'est-ce que tu appelles motion capture? Je vois, mais je vois pas le rapport avec VD en fait. Je vois pas le rapport avec VD. Attends, je suis en train d'essayer de comprendre, mais je vais retourner dans les. Pourquoi il marche plus mon clavier? La question, est-ce qu'un clavier c'est mieux avec un câble? Oui. Ah, il marche plus du tout mon clavier. Oh bien ok. Pourquoi tu marches plus? Bon ouais, j'ai plus de clavier, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je comprends pas. Je vais retourner dans les questions et sinon, on revient à préciser ta question. Voilà. D'accord. Virtual Desktop propose la motion capture en passant par Steam. Bon, bah ok. Il va falloir que je fasse un effort parce que là, j'ai... Bien, bref. Alors, excusez-moi, j'étais en train de lire les questions pour savoir. Je vais regarder une dernière fois. Voilà.
Alors, je sais plus où on en était. On a fait un sujet intéressant ce soir. C'était comment gagner 130 balles en achetant un casque à 700 balles. C'est pas dégueu. On a parlé de... Ah oui. Très important. Je l'ai pas mis dans le titre. Parce que oui, je ne dis pas tout dans le titre. Nous allons parler... Alors... Tic-tic. Attends, ça, je vais le fermer. Là, voilà. M6, on s'en fout. Alors du coup, je peux pas vous faire le coup du M6. Hein. Je suis très désolé, je me suis fait griller comme un débutant. Voilà. Où j'en suis là? J'en suis... Attends, je suis en train d'aller chercher quelque chose, j'arrive pas à me concentrer. Oui, c'est ça. Il faut que j'aille sur notre Discord, car c'est sur notre Discord que ça se passe. Tac, tac. Pla. Alors, notre ami... Ah oui, le Quest... J'ai pas parlé du Quest 3 encore, je suis fatigué. Voilà. Alors, on va faire ça, et on va parler du Quest 3, qui va bien. Alors, j'ai mis ça dans le Discord de la Loulou Family. Et oui, allez, c'est parti. On est parti? Allez, on est parti. Hop. Regardez derrière moi. Regardez derrière moi. Alors. Hop. Hop, voilà. Alors, vous avez ici Luna. Attends, je vais essayer de... Voilà. Luna qui a retweeté au départ. Et des captures d'une conversation, d'une formation que Meta ferait pour annoncer un nouveau, comment dire, un nouveau casque qui s'appellerait donc le Meta Quest 3S. Juste une petite parenthèse avant, nous avons ici Cosa M6 n'a pas effacé, le replay. Mais par contre, les replays ne sont conservés que 6 jours. Et moi, hier, quand j'ai préparé mon sujet, vite fait, j'ai pas pensé à enregistrer le truc. Je l'ai mis, c'est là, je m'étais mis le lien. Je me suis dit, on le fera directement dedans. En même temps, c'est fair play. Je me suis dit, j'utilise leur machin. Je leur fais une lecture quand même. C'est normal. J'enverrai tout le monde voir là-bas. Ça va. J'ai pas pensé que c'était 6 jours. C'était 7-1. Bah oui, c'est-à-dire que dimanche, c'est mort. Voilà, voilà. Allez, on attaque le Meta Quest 3 S. Car c'est le sujet du moment. Et après, juste après. Parce que tant qu'à faire, on va avancer. Je vais vous mettre un peu la pression. On va parler du Descartes. Et ouais, le casque de Valve fait parler de lui. On va pouvoir en reparler dans un petit moment. Voilà. Alors, c'est parti. Le Meta Quest 3 Lite pourrait en fait s'appeler le Meta Quest 3S. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en intro. Le mot Lite n'est jamais très bien apprécié. Parce que ça fait light. Les yaourts peuvent être light. Le matériel light, c'est pas forcément ça. Ok. Ensuite, Luffy Sankira sur Reddit affirme qu'on leur a montré ses graphiques lors de ce qui était probablement une réunion Zoom Meta User Research. Alors, pour une fois, j'ai pas de confirmation réelle par un back office ou par quoi que ce soit. Pas facile. Je reste quand même sceptique parce que c'est en français et que les présentations se font en anglais et en général nous avons donc droit à des, sauf exception bien sûr, mais en général nous avons droit à des PLV, enfin j'allais dire des documents logotés en anglais. Ok, donc alors bien sûr, là moi qui travaille pour Meta en ce moment sur la FNAC, toutes mes conférences ont été faites exactement comme ça d'ailleurs au passage, mais avec des documents en français, là on est bien d'accord. Ok, alors ensuite bien sûr il nous rappelle qu'il ne peut pas vérifier que ce sont des documents réels, mais il peut vérifier que Meta organise des sessions de feedback comme celle-ci, donc il veut dire il peut confirmer que ça existe. Alors, on va regarder les docs. On va regarder les docs. Alors, bien sûr, prenons note
que ceci est à prendre avec des pincettes, que je n'y crois pas réellement. Mais après tout, pourquoi pas? De toute façon, ça nous fait de quoi discuter autour du sujet. Ok? Je rigole parce que je vois la tête du mec. Parce que je pense que vous l'avez peut-être vu ici. Il y a quand même la tête du mec. Donc le document serait partagé, mais le mec, il n'aurait pas enlevé sa tronche. À savoir que si les docs sont prêtes, ça veut dire que le casque est prêt. Ça veut dire que donc, ça pourrait être très rapide. En tout cas, plus que le train pour Pau, pour ceux qui ont la référence. Mais plus sérieusement, on va se poser la question sur ce qui est présenté ici. Faux, pas faux, on va en discuter, c'est pas important, on va regarder ce qui est proposé. Regardons le design. Voici le Quest 3, voici le Quest 3S. Ce qui serait le Quest 3S. Ok, ici. Nous avons un point intéressant, ça voudrait dire que là, le MetaQuest 3, vous le savez, est en 128Go et en 512. Ok, vous voyez. Et le MetaQuest 3S, lui, serait en 128 ou en 256. Un choix stratégique, une motivation, quoi. La définition 2064 par 2208 en pancake, affichage infini display, 25.5 pixels par dot, pinch, oh, flûte, PPD, fatigué. Lui, 1832 par 1920, 20 PPD par œil. Globalement, on est dans du Quest 2. Ok. Ensuite, stockage de jeux et applications, 128-256. Bon. Ce qui est intéressant, sans doute, un poisson d'avril, ça serait une bonne idée. En tout cas, c'est, bon, c'est propre. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Si c'est vrai, ou celui qui a fabriqué ça pour faire parler de lui sans signer, c'est quand même un peu con, j'ai dit, mais ça c'est un autre problème, à imaginer que le casque ne serait pas en pancake, parce qu'à un moment donné, il va falloir réduire les coûts. Donc si la base reste un Snapdragon XR2 Gen 2, il va falloir gagner du fric ailleurs. Qu'est-ce qui coûte cher? A priori, les écrans et les lentilles pancake. Donc là, ils ont diminué la qualité des écrans, diminué la définition, et ils sont passés, clairement, vu la taille de l'objet, en lentilles de Fresnel, comme le MetaQuest 2. Ça, je pense que c'est facile à voir à l'œil nu. On va continuer un petit peu. Il y a ça qui est intéressant. Vous voyez ici. Pardon. Vous voyez ici, vous avez 3.3 bitonio là. Le casque ici en a 3, là il y en a 6. Ça commence à devenir compliqué. Alors on peut imaginer qu'il y a deux caméras RGB. 1, 2. Allez, on va dire 1, 2. Il y a peut-être des capteurs IR, infrarouge, ou peut-être qu'on est, personne ne dit que le Quest 2 Lite marchera dehors, donc il sera peut-être encore en infrarouge pour diminuer les coûts. Et le troisième, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Aucune idée. On va continuer. On va aller regarder la deuxième image. Très jolie d'ailleurs. Très jolie présentation. Next level. Alors, c'est amusant de dire next level quand on a un truc qui est inférieur à celui que tu avais juste avant. Alors, on nous dit capteur LiDAR, pourquoi pas, je sais pas. On nous dit qu'il n'y aurait pas de manette, moi je pense que si. Regardez ici, là, autour de level, vous avez un ring. Donc il y aurait sans doute des manettes avec ring. Regardez, ici on a des images de Quest 3, donc voilà, ça ne nous aide pas, c'est ce qui fait un peu fake ici, puisqu'on parle quand même du MetaQuest 3. Light. Là, on voit bien l'épaisseur qui serait des lentilles Fresnel. Le casque est à droite. Voilà, comme le grand frère. Le reste serait à gauche. Donc,
là-dessus, on se retrouve sur du Quest 3, c'est normal. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour l'instant. Voilà, MetaQuest 3S, la réalité mixte. Alors, vous remarquez qu'a priori, il y a le son, il y a un bouton, mais il n'y a pas de réglage IPD. Donc, je pense qu'on retomberait sur un, à mon avis, sur un triple cran. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Alors, maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil. On va aller... The One 76, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 20 ppd contre 25 ppd, parce que je vois que tu insistes, tu nous rappelles que la densité de pixels est inférieure, on l'a dit tout à l'heure quand on est passé sur le sur les caractéristiques. Alors, on va regarder un petit peu du côté des commentaires, parce que les commentaires sont intéressants. Alors, on va ici. Hop, hop, hop. Donc, il y a Tony VT Chardet qui nous fait toutes les semaines une lettre avec des articles, tout plein d'articles qui est dans la machin, de, pardon, dans la VR, excuse-moi. Et il dit « Many people on Reddit claim que c'est fake ». Alors, bien sûr, plein de gens disent que c'est du fake. Je suis pas loin de penser que c'est du fake. Mais il y a quelques détails qui sont intéressants, cependant, comme le bouton et les ports qui sont qui ne sont pas au même endroit entre l'une et l'autre des photos, donc j'ai pas fait attention. Oui, effectivement, non, là c'est bon, c'est à droite, là c'est à droite, là c'est à droite, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là, et là c'est à droite, non, je sais pas ce qu'il a, et c'est moi qui ai fumé ou c'est lui, je sais pas. Alors, il se pourrait aussi que ce soit un mock-up, donc un proto, qui soit un petit peu lâché sous forme de leak comme ça, de manière à voir la réaction, la réception aussi des gens. C'est important. Voilà. Et vu le temps qu'il y a avant que sa sortie arrive, c'est-à-dire normalement en octobre, voilà, on est peut-être tranquille. Voilà. Alors, on continue. Alors lui, il m'intéresse pas mal. Attends, tac, je vais venir ici. Je vais vous le faire au ralenti. Je n'ai toujours pas de clavier. Mais ta grand... Ah, merde! Pardon, excusez-moi. Oh, pardon, ça m'a échappé. Oh, le gros mot. Allez, je mettrai 1 € dans la petite boîte à gros mots. Ben oui, tout à l'heure j'ai débranché tout ce qui était branché sur mon PC, donc automatiquement j'ai débranché mon clavier Bluetooth. Voilà. Et ben oui. C'est mieux avec un dongle. Alors, voilà. Donc là, ce que je disais, c'est que là, le monsieur nous dit que s'il partageait ça, il serait ennuyeux parce que pour accéder à ce genre de truc, tu cites un NDA, donc il serait mal. Oui, de toute façon, on l'a bien compris que le mec, il a pas laissé sa tronche là, c'est un sketch. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Luna qui mettait, j'aime bien son petit délire. Voilà. Alors, le rendu paraît étrange, ça ressemble à un montage. Vous me direz. Alors, au-dessus, il nous dit que techniquement, ça peut très bien être un mock-up, hein, donc un proto. Et encore une fois, histoire de voir comment ça marche. Donc là, celui-là nous dit que ça, c'est comme le Vision Pro, ça a l'air très désagréable à porter. Écoute, je ne sais pas comment on peut le dire. Tac, tac, tac. Alors, ce n'est pas ce que c'est censé être. Un modèle de productivité sortira l'année prochaine, ce sera le Pro 2. Ah oui, c'est pas... Bon, bah, il nous dit qu'il devrait aussi y avoir des machins. Bon, ce commentaire-là, on s'en fout un peu. Blablabla, blablabla. Bla, bla.
rien de bien fou au final. Ça papote comme nous. Donc en fait, voilà, ils sont comme nous. Bref, je vous donne le lien, comme ça vous pourrez aller voir, parce que je suis là pour partager, hein, les gars. Alors, je vais récupérer bien sûr le chat dès que je peux. Je vous le donne ici. Voilà. Bien, alors, quoi qu'il en soit, ce MetaQuest 3 S ou Lite, on s'en fout un petit peu du nom en vrai, il était prévu pour le marché chinois. L'accord avec Tencent est tombé à l'eau. Ok. Le Quest va quand même sortir. Moi, c'est l'intérêt que je ne comprends pas. Le Quest 2 fait très bien le job. Si c'est pour revenir à des lentilles de Fresnel, alors, il y a plus de puissance parce que ça sera la base du XR de Gen 2. Bien sûr, s'il sort à 300 balles, bon, bah, alors, du coup, ma discussion s'arrêtera là. Je dis oui, bah oui, si c'est le même prix que le Quest 2 et que tu as la puissance du Quest 3, même avec des lentilles de Fresnel, bah, tu peux prendre. 300 balles, c'est pas 550. Il y a une sacrée différence, hein. Les gens qui prennent aujourd'hui un Quest 2 128 gigas à 299 €, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ou pas envie de mettre plus que 300 balles dans un truc qui va leur servir d'abord, certainement au début, pour essayer par curiosité. Et après, si tout d'un coup ça les intéresse, ils franchiront le pas. Voilà. Et donc, je vois, l'intérêt du casque, ça serait qu'il soit au prix actuel du MetaQuest 2 et qu'il puisse donc le remplacer définitivement sur le marché pour n'envahir le marché plus que de MetaQuest 3. Ça me semblerait logique, renouvellement de gamme, mais en soi, pour nous utilisateurs qui papotons aujourd'hui, qui avons un MetaQuest 3, pour tous ceux qui peuvent mettre 550 balles, ce casque n'aura absolument aucun intérêt en soi. Parce qu'aujourd'hui, et je réponds à Fred Extreme Silver, ce qui nous est demandé quand tu présentes des casques Meta sur le terrain, c'est effectivement de parler de casques de réalité mixte quand c'est le MetaQuest 3 et de casques VR quand c'est le MetaQuest 2. Donc là, il y a un marché très clair. Un casque VR, un casque XR. Facial Computing pour ceux qui sont chez Apple. Donc c'est clair. Là, les deux seront des casques de réalité mixte. On pense, on imagine bien quand même qu'ils vont nous sortir une image couleur. Il y aura que le prix qui va changer et le prix va falloir le justifier à partir de quoi ? Un écran de moins bonne qualité, et, enfin un écran, oui, de moins bonne qualité et un écran plus petit et des lentilles de Fresnel. Donc il est tout moins bien. Mais c'est l'entrée de gamme, mais il est aussi puissant que l'autre. C'est tout moins bien ce que tu vois, mais il est que à 300 balles. C'est pas simple. Alors que là, aujourd'hui, le discours, c'est le MetaQuest 2, c'est un casque qui a très bien marché, plus de 25 millions de ventes, enfin, je sais plus, c'est pas très grave, on s'en moque, c'est l'idée, il s'est énormément vendu, il a permis à la VR de se démocratiser. Bon, là, il commence à vieillir un peu, du coup, il a un prix intéressant. Si vous voulez commencer, si c'est pour un ado qui démarre, si c'est pour découvrir, vous pouvez y aller, c'est que 300 balles. Ça, c'est un discours qui se tient. Moi, je suis moins fan du discours, donc c'est le même que l'autre, mais avec un écran moins bien, avec un truc moins bien, moins 300 balles. Vous avez presque l'autre, mais 300 balles. Ouais, ça, bref, en le disant, je me dis que oui, après tout, ça se tient aujourd'hui. Voilà. Après, il faudra bien voir ce que c'est vraiment. Parce que là, on parle d'un produit, d'un leak plus ou moins bidon. Mais l'idée est là. Mais l'idée est là. En tout cas, si c'est un leak, c'est un Français qui l'a fait. Voilà. Et donc, je réitère l'idée de base. Quand, parce que je vois que Reg Sikon nous fait « Je ne comprends pas, Meta ». Ce casque était prévu pour le marché chinois. Il était donc destiné à être filé par Tencent à ses utilisateurs. Un peu comme le fait Rogue
le Rogue avec avec qui ils font Rogue, je sais pas si avec Tencent aussi je crois, pour les acheter ils filaient les téléphones gratuitement en échange de la pub, enfin bon bref, il était destiné au marché chinois et donc l'objectif c'était de sortir un casque plus abordable et avec des spécificités modernes au niveau bien sûr processeur. Tu dis, c'est un MetaQuest 3. Après, bon, il a du plus de petit écran, il a un peu moins de PPD, il a des lentilles de Fresnel. Mais sur un marché chinois, effectivement, où le casque était très sponsorisé par Tencent, ça avait du lien. Voilà. Après, rien ne dit qu'il n'aura pas de contrôleur, j'insiste. Rien ne le dit. C'est vrai qu'il le montre sans. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le fait qu'il y ait deux caméras de plus, c'est pour avoir un meilleur tracking des mains? Pour pas qu'il y ait de contrôleur? 95% des jeux se jouent avec un contrôleur. Donc, il y aura des contrôleurs. C'est obligé. Ok, voilà. Donc. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, il y a de la curiosité qui se réveille, et si ce fake est un fake, il a été fait par un Français, donc parce que pour le faire en français, fallait oser, quoi, ça n'a pas de sens en même temps. C'est pas presque ça qui me ferait dire que c'est presque vrai. En tout cas, ça n'a pas l'air dans les tuyaux pour l'instant. Alors, on en était où maintenant? Ah oui, je vais aller voir les questions d'abord. Important, les questions. Tic, tic, tic. Je quitte le chat en direct pour aller voir les questions. Lexat déçu nous dit, ou déçu, j'ai acheté une housse pour le casque sur AliExpress, j'ai vu une photo où une personne a mis le Bobo RM3 dedans, ayant acheté le Bobo RS3, penses-tu qu'il rentrera aussi dedans? Oui. Même si le S3 est quand même vachement plus mastoc. Moi, j'ai plus de mal à rentrer le S3 que le M3. Là, tu vois, il y a le M3. Et le S3, j'ai pris une... En ce moment, il est en chômage parce que j'ai qu'une seule batterie et comme je sors et je fais des sessions de 6-7 heures, 8 heures, 10 heures en fait, je suis passé sur des batteries. Je suis revenu sur le M3 parce que j'ai 8 batteries. Mais... Donc il faudra juste le resserrer et l'écraser comme ça. J'avais montré sur le précédent live comment faire pour rentrer un S3 M3 sur un dans une housse. Regarde, je le remontre au cas où. Tu vois, il faut écraser le milieu, c'est-à-dire que le casque il est rangé comme ça. Ça c'est bien serré et j'appuie au milieu pour que ça rentre et que ça reste le plus plat possible. Voilà, tac. Et ça passe même sur une housse très fine qui normalement est censée rentrer juste de l'officiel. Un Quest Pro ici pour être précis. Voilà. Et donc la M3 ça rentre aussi. Par contre ça coince aux entournures. Faut vraiment bien le mettre. Voilà. Alors, nous allons bientôt maintenant attaquer le D-Cord. Le D-Cord. C'est parti. Alors, regardez ça, je vous montre ça, les loulous. Un brevet sur du matériel. Alors, un nouveau brevet sur le matériel de Valve VR est finalement apparu après plusieurs mois. Comme ça, ça revient. Déposé à la WIPO, c'est donc l'équivalent des NPI chez nous, hein, les dépôts de marque, en septembre de l'année dernière. Il y a toujours un délai, hein, c'est comme Apple, on voit les brevets arriver quelques mois après. Il continue en expliquant comment, si le bruit du ventilateur d'un appareil VR autonome est fort, comment, lors d'un traitement... Ah, waouh. En gros, ce brevet-là que vous voyez ici, je vais vous sortir l'image. Voilà. Au fait, je remercie Mox. C'est lui qui nous a amené cette info. Mox nous a ramené cette petite info juste là, je suis tombé dessus juste avant. En gros,
ils voudraient, ils ont des problèmes de refroidissement parce qu'ils parlent de ventilateurs, pas illogique. Donc ils vont avoir des ventilateurs qui vont devoir tourner à mon avis un peu fort, faire du bruit. Et donc ils ont travaillé sur une technologie qui permettrait avec des écouteurs, et apparemment on est sur du Valve, donc c'est toujours des écouteurs déportés, un peu comme le Valve Index. Magnifique au niveau du son le Valve Index, il n'y a pas d'autre mot. Une atténuation, donc en fait il y aurait un filtre anti-bruit. En gros, ça, les écouteurs, et les écouteurs nous enverraient du son filtré, et qui filtré par rapport au bruit des ventilateurs. Un truc de ouf! Un truc de ouf. Voilà. Donc speaker, fan, 110, drive, maintien, tac. Bref, ça a l'air bien intéressant tout sous. Alors, il y a le lien. Je vais vous donner le lien vers vers le dépôt de marque. Comme ça, vous aurez tout. Vous avez même le PDF si vous voulez, les loulous. Moi, je suis. Voilà. C'est pas un truc de dingue, ça, pour supprimer du son. Arriver à faire disparaître le bruit des ventilos. Ouais. Donc, il y en a un qui dit, donc ça c'est maintenant Métanote qui nous dit, ce diagramme suggère que le casque est donc relié à un PC sans fil. Voilà. Et ne lance pas des expériences en autonome. D'accord ? Ça, c'est intéressant comme analyse et comme remarque. Elle a été vue mille fois, ce petit tweet-là, mine de rien, parce que sa réflexion est super intelligente. Vraiment super intelligente. Alors, attendez. Tac, tac. Le truc, c'est que là, on peut voir ça comme ça, mais avoir comme ça, en tout cas, c'est juste une supposition par rapport au diagramme, mais on voit bien que là, on parle d'un... Là, c'est un Valve Index 2, quelque part. C'est-à-dire que c'est un PC qui, contrairement au Valve Index, n'aurait pas besoin de caméra externe, ça aurait donc un inside-out au niveau du tracking comme de casque, mais pour l'instant, exécute du contenu à partir du PC. Voilà. Ou potentiellement une Steam machine en parallèle, un petit boîtier qu'on poserait à côté qui serait une Steam machine possible. Voilà. Alors, je vais aller regarder ce que nous a dit, comme ça je le ramène ici. Alors, je le prends là, je le copie là, parce que comme ça je le vois en plus gros, parce que là-bas, mon écran, il est quand même à 1m50. Bon, j'y vois. What are you see? Donc, je vois, mais à un moment donné, je préfère le confort. Allez, c'est parti. Alors, en fait, donc là on est, le brevet parle davantage, rendering and extensive, du CPU et du GPU, un frein, une expérience étendue sur l'appareil. Ce que vous voyez dans l'image parle de la possibilité de connecter le casque sans fil, ou avec fil, à un PC, mais parle également de serveurs axés sur le téléchargement de contenu pour jouer. Ouais, ok, bon, ça va, c'était juste une remarque à voir. Bon, on va pas passer, peut-être si on passera un peu plus de temps, mais globalement, ça nous met au moins encore un petit peu de grain à moudre. Ça va commencer à mettre aussi des petites graines dans la tête. Est-ce qu'on doit attendre ce casque? Moi, je dis, pour l'instant, je suis fan du concept. J'aime bien ce que fait Valve, mais par contre, pas pressé, quoi. Pas pressé de voir pour l'instant. Je pense qu'on a déjà assez avec nos casques, hein, les gars. Parce qu'il y en a, il va falloir les payer, tout ça. Au bout d'un moment, dis ça, je dirais, mais... Voilà, quoi. Bon, ça coûtait cher, leur casque, là, à force. Je reviens en ligne et je vais voir... Oh, 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 je suis en train de me déplacer dans ma propre image. Alors, tac, le chat en direct est là.
Alors, Toyo nous dit s'il pouvait améliorer le champ de vision. Bah, écoute, jusqu'à présent, Valve, avec le Valve Index, détenait quand même le titre de meilleur casque casque, c'est-à-dire que c'était... Ah zut, je vais y arriver. Je vais y arriver. Le 8K, zut. Bon, bref. C'était quand même le meilleur casque au niveau du fauve, le plus agréable à porter. Ils avaient aussi le face cover aimanté. Ils avaient quand même amené énorme les écouteurs in-ear qui ne touchaient pas les oreilles, mais quelle idée de génie. Qui en faisait, en plus, faisait pas de bruit à côté, mais quelle idée de génie. Le Valve Index est le bijou de sa génération. Il n'y avait pas d'autre mot. Pimax, merci Marc. Voilà. On verra ce que ça donne. J'en étais où, moi? Et les gars? Oh, les gars? Il y a l'Upload VR Showcase qui commence dans 25 minutes. Et il va durer 2 heures. Est-ce qu'on se le fait? Je vais aller au dodo, moi, mais je sais pas, du coup. Est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on enchaîne l'Upload VR Showcase? Ça, c'est une bonne question. Quelle heure est-il, là? Ah, bah, de toute façon, je m'arrête déjà. De la base, on est à la fin du timing du live. Je pense qu'on est pas loin des 2 heures. Je sais pas quoi vous dire, mais est-ce qu'on enchaîne sur l'Upload VR Showcase que je n'ai pas vu arriver? Alors, celui-là, non. Déconne. C'était le 6 décembre dernier. Faut pas tout croire ce que je dis. Pardon, c'était tentant. C'était tentant. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'était une blague. Hein. Ne suivez pas, ne croyez pas tout ce que je dis. Quoi? J'ai bien le droit de faire des blagues. Non, c'est juste que je l'ai vu apparaître devant moi. Ça démarre dans 25 minutes, mais c'est quoi cette blague sur le coup? Du coup, j'ai enchaîné, j'ai pensé en parlant. Et du coup, je regarde, je me dis, non, mais le Winter Showcase, c'était au mois de décembre, ça, on l'a fait déjà, on l'a suivi. Voilà, c'était très drôle. Alors, du coup, bah, j'ai pensé à voix haute, voilà. Je vais aller voir les questions, si vous avez des questions. J'en étais où? Alors, on en était où au niveau des questions? Je vais regarder et après je clôture les questions. Tranquille. Questions. Bon, pas de questions. C'est génial. Mais les gars, vous mettez au chômage hein, si vous n'avez pas de questions. Alors, eh ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ce soir, j'ai donc parlé du Descartes, du Quest 3 Lite. J'ai fait un petit speech qui ne va pas me faire des potes sur Pico. Ça, je m'en doute. Je suis désolé. Non, en fait, je suis pas désolé, je dis juste ce que je pense. Et nous avons aussi vu un passage important sur l'auto-parrainage et sur le parrainage, comment gagner 130 balles quand on achète un casque en ce moment. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme petite soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Nous devrions nous retrouver cette semaine au plus tard, mercredi soir. Mais peut-être des surprises. Voilà. Alors, Toyo, Pico fait un truc et ça te dérange. Oh putain. Laisse-moi te répondre, Toyo. Attendez, parce que là, on va se faire un petit Toyo, là. Je vous explique. Si Pico fait un truc, moi, ça me fait plaisir. Ça me fera un nouveau joujou. Ça me fera des vidéos à faire. Et je te promets, s'il est meilleur, je serai le premier à kiffer. Ce qui m'empêche pas d'être lucide. Et d'exprimer tout ce que j'ai exprimé en début de live. De la même manière que, effectivement, je préfère Meta, pour toutes les raisons que j'ai exprimées en début de live, et je pense sincèrement que c'est un choix de raison, tout à fait, remonte en début de live, sans pour autant que je donne blanc-seing à Meta. Leurs mises à jour, elles font caguer, parce qu'elles sont jamais stables et jamais en même temps. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas. Hein. Mais à part qu'ils mettent parfois du temps à corriger les bugs, que quand tu avances d'un pas, des fois tu recules de l'autre. Oui, ok, tes mises à jour. Mais en dehors de ça,
pas grand-chose à leur reprocher. SAV irréprochable. Bon. Hein. Sur Pico, il vaut mieux acheter sur Amazon parce que c'est Amazon qui est quand même vachement cool. Parce que t'es un vrai SAV chez Meta, t'en as pas chez Pico. C'est les magasins qui le font. Enfin bref, on va pas y revenir. Mais c'est juste ça. Mais si Pico sort un nouveau truc, un Pico 4S, je serai un des premiers à l'essayer. Faut l'acheter, bah je serai un des premiers à l'acheter pour l'essayer et pour en parler. Il n'y a aucun stress. Et s'il est meilleur, je dirais qu'il est meilleur, techniquement. Je reste persuadé que pour le reste, c'est toujours pas un bon achat et ça pourrait être une Rolls Royce, ça pourrait être une Ferrari. Je veux dire, à part les geeks qui ont un peu de monnaie et qui peuvent se payer plusieurs casques, à part les geeks qui ont vraiment envie d'avoir un truc hyper pointu histoire de se faire remarquer, j'en fais partie, aucun problème avec ça. Germaine, Robert, Marcel et tout ce que tu veux qui viennent et qui viennent acheter un casque réalité virtuelle, qui ne savaient même pas qu'ils allaient acheter un casque de réalité virtuelle, tu leur parles de ce qu'on peut faire, il vaut mieux qu'ils partent avec un Meta, crois-moi. C'est beaucoup plus simple pour eux. Plus suivi, plus complet au niveau de l'environnement. À suivre, je peux me tromper, mais je le dirai. Sur ce, mes enfants, l'intérêt de ce que tu as dit sur Pico, à partir de Pico Connect, que ce sont des relous qui piquent les idées aux autres, aucun problème. Je persiste, voilà, c'est tout. L'intérêt, c'est de faire prendre conscience, effectivement, que c'est pas très grave, comme je l'ai dit en début. Ça me gêne pas. Mais faut être lucide, il faut le dire. Même Brice l'a dit. Il l'a dit. Et alors, c'est pas parce qu'on va le dire que ça va empêcher les gens d'acheter quelque chose, hein. Si, je veux dire, c'est juste que bon, c'est quand même bon d'en avoir conscience, c'est tout. Voilà, voilà. Eh ben, Marc Périz, est-ce que tu sais où on peut trouver une batterie supplémentaire pour Bobo VR S3 Pro? Si je le savais, j'en aurais une. Là, je suis coincé comme toi, j'en ai qu'une. Ça me va, hein, à usage à la maison, ça va. Mais dès qu'on sort de la maison, enfin, dès que professionnellement parlant, 4 heures, ça suffit pas déjà que 2. Mais tu les trouveras en premier sur le site de Bobo VR, ça c'est sûr. Donc, faut les stalker là-bas et leur demander jusqu'à ce qu'ils balancent au moins un batch pour qu'on puisse essayer d'en acheter. Voilà. Et non, toujours pas disponible, ces foutues batteries. Tiens, on va les même regarder ensemble, tiens. On va le faire ensemble. Hop. J'ai pas remonté mon siège pour F1 2023. Il est toujours monté en mode avion, là, pour l'instant, et j'ai même pas encore rebranché. Mais je suis en train de voir pour déplacer mon PC Pro là-bas et travailler avec vous ici avec un PC moins puissant. J'ai pas besoin de mon PC gaming pour faire du streaming, quoique. Je suis en train d'essayer de trouver une solution pour rebrancher mon siège. Tiens, on va aller regarder. Hop. Bobo VR. Alors, Bobo VR S3. Le site officiel. Est-ce qu'ils ont sorti les batteries? La réponse est malheureusement non. On va essayer quand même. Peut-être que je me trompe. On va taper. C'est les B100, je crois. Voilà. Donc, tu as ici les Bobo VR M3 Pro Battery Pack. Donc, c'est le truc complet. Tu as le Twin Charger, donc avec une batterie supplémentaire pour 50 balles. Donc, ça veut dire que tu payes ta batterie 35 et ton chargeur 15, alors qu'on n'a pas besoin de chargeur en vrai. Et tu as le Battery Pack Bobo VR S2 à 37,95. Ça a un petit peu augmenté. Mais, comme tu l'as vu, pas de batterie B100. Est-ce qu'on a parlé du casque Apple? Non, c'est vrai. C'est vrai, j'en reparlerai mercredi. Alors, le casque Apple, qu'est-ce que je voulais dire vite fait? Attends, je vais regarder, mais je vais voir si je peux faire un crunch vite fait là, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont partis. J'ai dit au revoir, normal. Donc, au pire, on le refera mercredi. Je jette un tout petit coup d'œil sur ce que j'avais prévu. Tic, tic, tic. Hmm.
Ah oui, oui. Il y a des indices, mais bon, c'est pas neuf, hein, on en avait parlé réellement. Il commence à y avoir des indices, et ça, c'est notre ami sur Fufu qui me l'a envoyé. Vous avez vu, je donne mes sources, hein, c'est terrible. Vision OS Code suggests that Apple Vision Pro will soon be available in more countries. Donc, il y a plusieurs indices. La première, c'est que des rédactions ont reçu un casque en France. Au moins, là, ça, c'est clair. Ensuite, il y a des traductions qui commencent à arriver dans les firmwares. Voilà, ça c'est important. Donc, il devrait y arriver normal. Alors, il y a eu le cantonais. Oh, ça me donne faim. Oh, hein, du riz cantonais, j'adore ça. Oh, c'est pas possible. Ah, faut pas que je dise ce mot, à chaque fois ça me donne faim. Il y a le chinois simplifié, il y a l'anglais pour l'Australie, il y a l'anglais pour le Canada, il y a l'anglais pour le Japon, il y a l'anglais pour Singapour, il y a l'anglais pour l'Angleterre. Il y a le français pour la France, l'allemand pour l'Allemagne, le japonais et le coréen. Ils commencent donc à avoir les claviers qui vont être traduits. Et bien sûr, tous les menus, tous les textes, etc. Donc là, préparez-vous. Si vous avez envie de claquer 4000 boules pour vous offrir un casque, certes, plutôt bien, mais totalement incomplet, c'est-à-dire on est sur une V1 avec plein de choses qu'on peut pas faire par rapport à un Meta ou à un Pico. Hein, là, on a quand même plus pour notre argent à 500 balles avec un Pico, à 300 avec un, à 300 balles avec un Pico, à 500 balles avec un Quest, que pour l'instant avec un Vision Pro. La force du Vision Pro, en dehors du fait que c'est Apple et qu'il a un écosystème, hein, c'est la vraie utilisation de l'Apple Vision Pro, c'est un. Et le premier à l'avoir dit, c'est bien notre ami sur Fufu, dans mon environnement en tout cas, c'est d'être un SDK, un casque de développement destiné essentiellement aux développeurs. Bon, même si on vend 180 000 des gens qui vont regarder un film, c'est cool, mais à la base, le seul vrai intérêt de ce casque, et je ne parle pas pour nous gamers, c'est que le développeur, et rappelez-vous, Nico l'a dit bien des fois, c'est que tu peux, enfin lui il a problème de lentilles, il peut pas s'en servir, je vais te le voler Nico, il le met dessus et tu peux travailler sans jamais quitter ton casque, tu peux compiler, lancer, tu peux faire du blending, c'est-à-dire tu peux générer, créer des choses sans jamais quitter le casque. C'est un réel outil de travail et de développement. Après, pour le reste, je l'ai pas encore fait, mais je reviendrai sur. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Technoïd. Pierre-Alexandre a fait une petite vidéo où il essaie de vulgariser une explication qui a été faite par un pro des écrans et qui a conclu, et ça risque de choquer certains, que le MetaQuest 3, au final, offre une meilleure qualité d'image que que l'Apple Vision Pro. Alors oui, HDR, oui machin, mais beaucoup de compromis ont dû être faits pour les lentilles, pour réveiller un peu de flou, etc. Au final, le MetaQuest 3 est meilleur. Un peu comme le Quest Pro à l'époque et les lentilles du Pico, qui pourtant avaient une définition bien plus grande et pourtant avaient une image moins bien. Et je l'ai retesté l'autre jour, ça m'a fait un choc. Parce que quand on a pris l'habitude d'un truc, quand tu redescends, ça pique. Un peu quand tu mets le Quest 2, tu fais... Et puis au bout d'un moment, ça va, hein, ça, tu l'oublies. Mais donc, c'est assez intéressant. Donc, je reviendrai sans doute là-dessus mercredi. Si Techno est disponible, je le ferai venir, on en parlera, parce que c'est lui quand même qui a sorti la vidéo en premier. Moi, j'avais volontairement zappé, et puis je voulais faire vendredi, et vendredi, ben, j'ai pas pu rentrer assez tôt de la FNAC pour pouvoir vous faire un live. Et puis bon, faire un live en lancer, le faire à l'arrache, non. Là, il faudra que je me prépare. Donc, c'est pas inintéressant. Il va donc arriver en France incessamment sous peu, peut-être en avril, comme certains l'avaient dit, Matt. Je crois que tu faisais partie de ceux qui avaient lu qu'il serait peut-être là en avril. Attendez, je vais regarder ça. Eh ben, Nicolas, on en parlera parce que tu penses qu'il y a des erreurs sur cet article parce que le mec a pas tenu compte de l'eye tracking et du coup, c'est pas bon son truc. On en discutera. Encore une fois, je n'ai fait que pas donner un avis perso. Je vais dire, il y a un article, il y a un gars qui est spécialisé dans l'écran qui dit ça. Après, on voit.
Allez, sur ce, mesdames et messieurs, je regarde un petit peu les questions. Et oui, GLX34, c'est fini les petits gâteaux du live d'Angélique, si tu savais comme elle aimerait bien pouvoir en faire. Mais depuis qu'elle est passée responsable de magasin, je n'imaginais pas, ni elle d'ailleurs, qu'être responsable d'un magasin, c'était autant de, on va dire le mot à la mode, charge mentale. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Notre vie a un peu changé. Mais grâce à elle, on peut continuer à être là, à discuter, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait aujourd'hui pour survivre. C'est compliqué. Donc là, on a eu de la chance. Elle a un bon boulot, c'est super sympa. Mais par contre, elle n'a plus le temps de faire des gâteaux, les gars. Et c'est pas très grave, parce que je survis très bien sans gâteau. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, couac. Donc, Monsieur Fufu nous dit, peut-être en juin pour le casque, ouais. Ben, écoute, je vous avoue que j'ai commencé à regarder combien pouvait coûter un Mac d'occasion pour que je puisse profiter et faire des tests. J'ai commencé à me dire, voilà, ben, je vais faire comme les autres, je vais peut-être acheter le casque en juin et puis me faire rembourser 13 jours après. Après tout, c'est possible. Moi, j'aurai 13 jours pour essayer de vraiment voir ce que se donne ce casque et si ça me donne envie. Et on en reparlera au moment où il sortira en France, bien sûr. Voilà. Alors, Marc II me dit, apprends à faire des gâteaux. N'ai pas envie de m'empoisonner. J'ai pas très bon. Si, si, je faisais des très beaux gâteaux que j'avais, dont les recettes sont dans le, et sont encore dans le manuel des Castors Junior, très précisément. C'est pas dans le manuel des Castors Junior. C'était dans le manuel de la grand-mère, là. Je sais plus comment il s'appelait. C'était, grand-mère, Ah, faudra que je le retrouve, je l'ai là-bas dans mes magasins. Voilà. Eric va passer du côté obscur. Ça va être vachement dur. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un Mac à un prix de bâtard pour faire exactement la même chose qu'on fait avec un PC. Et en plus, on peut jouer. Au passage, d'ailleurs, question, et vous me répondrez en commentaire, parce que là, je vais devoir y aller. Quelqu'un qui passe son Mac en boot Windows et qui arrive à lancer Flight Simulator. C'est ce que j'ai rencontré le cas d'un monsieur qui est venu me voir. Il me dit, voilà, moi j'ai un Mac Pro de 2019. J'ai installé Windows dessus. Je joue avec Flight Simulator. Est-ce que votre casque, je peux l'utiliser pour voler en VR? Ah, je lui ai répondu, écoutez, ma réponse va être, j'y capte un beignet en Mac. Pas tout à fait vrai, mais suffisamment peu pour que je puisse répondre à une question aussi simple. Mais je pense que la carte graphique du Mac n'est pas capable de gérer de la VR. Vous allez faire du 4 images secondes. Je veux dire, je ne sais pas quelle est la carte graphique qui est dedans, mais c'est certainement pas suffisant pour faire de la VR. Voilà, donc... Allez, on se fera un petit tuto sur Big Screen. On se fera un live spécial Big Screen. Ça pourrait être rigolo. Voilà, donc, la réponse pour moi, j'ai dit non. De toute façon, j'ai dit, prenez-vous un petit PC gamer. Bah, Flight Simulator, ça va ramer quand même. Hein. Enfin, s'il est déjà content sur son Mac, je pense que ça devrait suffire au niveau graphique. Mais prenez-vous un PC gamer, faites-vous un espace de jeu avec votre simulateur et là, vous pourrez prendre un casque. Mais malheureusement, c'est compliqué. Ben, s'il fait tourner Flight Sim, ouais, il doit avoir une bonne carte, mais je ne connais pas de carte sur Mac qui soit compatible VR. Mais je me trompe encore une fois, je n'ai aucun moyen de répondre. Alors, si tu passes ton Mac sous Windows, tu peux mettre une RTX, ça pose pas de problème. Si, c'est un portable. Il a un Mac Pro portable. Donc je pense que ça ne doit pas être facile, à moins de mettre une carte externe à ce moment-là. Upload VR, je vais pas avoir le temps. Attends, parce que sinon là on se couche plus après. Upload VR, là on est déjà, vous êtes à quoi qu'on est encore beaucoup. Attends, c'est quoi l'article que tu veux voir? Attends, upload VR, voilà. Ah, tu me l'as envoyé sur Discord. Merci, mon ami. Allez, on se fait encore un petit truc, là.
pas plus couché là. Allez, on va se le mettre en français, comme ça vous pourrez lire en même temps que moi. Et je ne ferai pas la chèvre qui traduit. Une étude révèle que 120 images par seconde est le seuil important pour éviter le mal de la réalité virtuelle, donc le motion sickness. Ouais, ben ça, je pense que ça pourrait mériter une petite vidéo mardi, hein. Mais bon, allez, on y va. Un Pimax 5K Super a été utilisé car il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 180 Hz, le plus élevé de tous les casques du marché. L'étude a testé 60 FPS, 90 FPS, 120 FPS, pardon, 180 FPS pour comparer l'effet sur la maladie sur les 32 participants, 16 hommes, 16 femmes âgées de 18 à 51 ans. Il a été constaté que 120 FPS, pardon, enfin IPS en français, est un seuil important au-delà duquel les participants ont signalé une réduction significative des nausées par rapport aux autres fréquences. À 180, la réduction des nausées était minime, ce qui suggère que 120 est le palier, en fait, le seuil. Il est important de noter cependant que cette étude s'est limitée à un casque de niche. On ne sait donc pas si les résultats se généralisent à d'autres. Le Pimax 5K Super a un champ de vision nettement plus large que les casques VR classiques, avec une distorsion géométrique sur toute la périphérie. Des recherches antérieures ont indiqué que le champ de vision et la distorsion géométrique peuvent tous deux affecter la maladie. Alors effectivement, plus le fauve est large, est grand, plus le motion sickness est important. Je vous donne un exemple à titre tout à fait personnel, d'utilisation, pas de ressenti. Sur mon simulateur de conduite, personne n'est malade. 1%. Des gens qui ont vraiment des gros problèmes d'oreille interne. J'utilise Pico 4, Pico 3, Pico Neo 3 Link, Quest 2, Quest 3, HP Reverb G2. Voilà, globalement, ce sont et avant bien sûr HTC Vive, mais là on remonte un peu plus loin. C'est tous ces casques ont des fauves compris entre 90 et 110. J'ai pas de problème. La seule fois où j'ai voulu faire super bien en mettant mon Pimax 5K+, donc un gros champ de vision, etc., un casque un peu lourd, mais sur un simulateur ça passe. J'ai eu des malades en série. Le premier malade, le deuxième malade, le troisième malade. J'ai arrêté, j'ai remis. À ce moment-là, j'avais pris un casque de secours. J'ai mis un Rift S, plus personne malade. C'est QFD. Et c'est pas 120 Hz, 80. Là, c'est juste le casque. Impressionnant, impressionnant. Alors, Apple Vision Pro 90, 100. Quest 2, ils montent jusqu'à 120. Quest 3, ils montent. Et les mecs, 4000 boules, ils montent même pas à 120 Hz. 300 boules, il lui met la fessée en 120 Hz. C'est quand même triste. Pico 4, 72,90. PlayStation VR 2, 90-120. Index, Valve Index, 144. Ouais, c'était ça qui était top. Fallait encore pouvoir le tenir. 180 pour le Pimax et le Crystal Pimax monte jusqu'à 120. Voilà. Bref, on regardera un petit peu. Mais même si l'on ne sait pas si ces résultats de cette étude s'appliquent à tous les casques, il s'agit néanmoins d'un résultat intéressant qui suggère que l'industrie ne devrait même pas se contenter de la norme 90 IPS établie lors du lancement de l'Oculus Rift et du HTC Vive, sans parler des 72 IPS popularisés par les casques autonomes. Un petit peu longtemps que c'est plus le cas. Comme Oculus Quest. Alors, tout comme la résolution progresse, la fréquence d'image devrait également progresser afin de garantir que les casques rendent le moins de monde malade possible. Je répondrai à ça qu'il y a de moins en moins de gens qui sont malades. Les gens ont maintenant pris conscience de ce qu'on fait faire à leurs potes ou pas. Par exemple, hier, j'ai fait essayer la réalité virtuelle à une dame qui passait à la FNAC. Bon. Une dame effectivement un peu âgée, dans les 70-80 je pense, qui
qui ne savait pas du tout ce que c'était, qui n'était pas quelqu'un potentiel acheteur, mais on fait essayer, on a fait découvrir, les gens regardent autour. Et c'est une fan de plongée, donc je l'ai mis dans Ocean Rift. Et elle était donc sous l'eau, aux anges. Et à un moment donné, elle me dit, oula, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je comprends pas. Je dis, c'est pas grave, j'enlève le casque tout de suite, je dis, on va faire. Elle me dit, je comprends pas, je me déplace. Je regarde la main, effectivement, en serrant la manette, elle appuyait sur le bouton, ce qui fait que dans Ocean Rift, bêtement, ce truc, avant ça le faisait pas, c'était mieux. Tu t'es déplacé. Donc j'ai, ok, on se calme. Elle a pas été malade, hein. Elle était juste pas à l'aise. Je lui ai remis le casque. Je suis à 100 verres, au passage. Je remets le casque. J'enlève les manettes et là elle était aux anges. Elle est restée pendant. Je discutais avec un autre monsieur qui achetait un casque à ce moment-là et elle est restée 10 minutes, un quart d'heure à regarder, à changer les baleines, les machins. Elle était aux anges. Mais effectivement, c'est le déplacement qui rend malade plus qu'autre chose. Il faut aussi tenir compte plein de choses. Tu seras jamais malade dans un casque si tu bouges pas. C'est la dissonance entre ce que tu vois et tout. Alors là, ils disent que ça rend moins malade, mais on ne sait pas réellement ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qu'ils ont fait essayer comme application, est-ce qu'ils les ont foutus dans un jeu de bagnole où ça bouge vraiment pour savoir s'ils sont malades, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vais essayer de lire et d'en savoir un petit peu plus, on en reparlera mercredi. Voilà. Ok, à tout. Et oui, on verra avec Sir Fufu, on en parlera parce qu'il est bien au fait de tout ça. J'ai toujours mon Oculus Go, est-il toujours actif? Alors, Airpav Chino 8 qui nous demande cette question. Oui, ils sont toujours actifs et même bonne nouvelle si vraiment tu es un peu bricoleur. Meta permet de le jailbreaker. Enfin, tu peux en faire ce que tu veux. Voilà, tu peux débloquer le système, il est plus du tout protégé. Tu peux aller installer ton firmware si tu en as envie. Il est open bar, routé. Merci Nicolas, putain, je suis fatigué. Tu peux le router, et c'est légal. Enfin, je veux dire, ils ont dit, allez, vous faites ce que vous voulez avec ce casque, amusez-vous. Voilà. Ouais, on va prendre Mathieu DeSantos pour la team fragile. Oui, lui déjà, il pense qu'il va aller dans le casque, il est déjà malade. Donc oui, on peut tester avec Mathieu. Allez, on Mathieu. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne, je vous quitte, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir été avec moi, je vous demande les choses habituelles, je remercie Matt qui est membre depuis un mois de la Loulou Family, il était venu pour nous à l'époque, s'est inscrit pour parler de l'Apple Vision Pro et il l'a bien fait d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son Twitter. Suivez-moi sur Twitter, je le suis, vous le trouverez facilement. Samuel Tagliamento qui a fait un tips. Merci beaucoup, mon ami. Petit ping-pong après, si tu veux. Et Stéphane Sautier, le plus fidèle des tipeurs depuis le début. Merci beaucoup, Stéphane. C'est lui, les micros. Merci beaucoup. Et j'espère d'ailleurs que les micros ont mieux fonctionné. Après, et sinon, j'essaierai d'améliorer encore ça. J'améliore à chaque fois. Sur ce, mes amis, bonne soirée à vous. On se retrouve normalement mercredi et peut-être avant. Ciao, ciao. J'ai perdu mon bouton. Il est où? Là, il est là. Et sinon, au passage, bonne soirée à tous. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais n'oubliez pas un pouce, bah, un petit pouce vers le haut, c'est cool. Un commentaire. Après que le live soit fini. Alors ça, c'est le méga top. Parlez-en autour de vous, faites venir du monde et rejoignez-nous sur notre Discord, vous avez le lien en bas, sur notre groupe MetaQuest 3 France. On parle aussi de MetaQuest 2, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien vers les sites des copains, il n'y a pas de souci. Et enfin, n'oubliez pas que Martial balance au moins une fois par jour en avance pour la Loulou Family et à 18h je crois pour les autres, une petite vidéo de 10 minutes sur l'actualité de la journée. Voilà. Bon, il est au Japon, hein, donc lui, il est un peu décalé par rapport à nous, mais quand même, il suit super bien l'actu. Non, je déconne, c'est notre rédacteur en chef sur GamerGen. Allez, à plus. Ciao, ciao.
Et juste pour terminer, la blague la plus nulle que je connaisse, mais vraiment la plus nulle que j'ai jamais eue. Mais vraiment la plus nulle de chez nulle. Vous savez, qu'est-ce qui est petit, carré, jaune? Ben, petit carré jaune. Moi, je sais. C'est vraiment nul.